Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne des chers players. Je suis très heureux de vous recevoir ce soir pour un nouveau débat, un débat... Qui enflamme Internet depuis quelques années, mais qui a pris une espèce de tournure assez euh, imposante depuis quelques, depuis quelques jours. Euh, et la, la, la fermeture des, ses, des serveurs sur la Wii U et la 3DS, l'obligation la, euh, d'avoir Internet pour pouvoir jouer à euh, Star Wars Outlaws, en tout cas pour l'installer, la fermeture des serveurs de The Crew, donc ça nous remet ce débat sur les rails. Je suis accompagné de Thibaut. Comment ça va, Thibaut Bonsoir tout le monde, ben, ça va super. J'espère que tout ça. le monde va bien. Voilà. Ben, j'espère aussi et de Gio euh, voilà que vous avez déjà vu qui a été euh, gérant de boutique pendant de, de nombreuses années et euh, que je suis très heureux de recevoir. Comment vas-tu Gio Bah ben, écoute, ça va nickel, nickel. Voilà. Dites-nous si le son est bon, parce que comme je n'ai pas de retour moi sur le son, je ne peux pas trop vous dire. Dites-moi s'il y en a un qui est plus élevé que l'autre, je ferai les petits ajustements. Voilà, écoutez, je suis très heureux. J'ai fait encore une petite pause. Normalement, la semaine prochaine, le débat revient le dimanche soir. Je sais que vous préférez le dimanche au lundi. Même si ça ne vous empêche pas... Tu n'as rien manqué, tu viens de... rien manqué. Ça ne vous empêche pas d'être très nombreux, mais voilà, normalement, ça revient lundi. Euh, voilà, donc... Euh... Alors, je suis plus haut, je peux juste baisser mon becro si je suis plus haut. Hop, j'ai qu'à... Vous faites bien de me le dire, je baisse un petit peu. Et puis voilà, de toute façon, vous nous direz, uh, Gio uh, un peu faible, je vais le remonter. Hop, et ça devrait être bon là. Voilà, Gio, c'est bon Tu veux parler euh, Oui, je parle. Voilà, il sait parler actuellement. actuellement. Tout à fait. Voilà. <laughs> il est pas. Et toi, Thibaut tu peux parler 1, 2, 1, 2, 1, 2, est-ce qu'il y a un souci de son Est-ce que je comme tu m'as dit, il y a une semaine ou pas Non, non, ça devrait être bon, ça devrait être bon. Euh, ouais, donc voilà, bon, donc on va commencer cette émission, là où je suis en train de, de préparer mon, mon, mon petit prompteur. Euh, je vais vous poser une question, physique ou des maths Thibaut, physique ou des maths Je préfère le des maths. Ok, est-ce que tu peux nous dire pourquoi en deux mots en un mot, practicité practicité, oh, c'est beau ce mot il doit, il doit valoir cher au Scrabble voilà euh, euh, est-ce que toi, physique ou des maths tu as plusieurs euh, mots si tu veux F physique euh, 100% physique alors pourquoi parce que ça va dans le sens du consommateur tout simplement hmm, intéressant, intéressant. Euh, pourquoi tu penses que ça va dans le sens du consommateur euh, parce que le maths c'est un service alors que le physique c'est un bien en fait, donc euh, le bien sera toujours au-dessus euh, au du service. Enfin, c'est euh, si vous payez une femme de ménage pour euh, passer euh, un coup de carrelage chez vous, c'est un service, c'est très bien. Si vous achetez un aspirateur robot, il le passera lui-même et vous l'aurez. C'est un, un petit peu ça quoi. Ouais, mais euh, est-ce que tu n'es pas propriétaire d'un jeu que tu achètes sur le PSN? Bah non, non parce que euh, on est trop réduit dans, dans ce qu'on peut en faire, on peut pas le prêter, on peut pas le vendre. Merci Bruno. Euh, on peut pas enfin voilà quoi. C'est pas c'est pas nous. Mais je pense que tu as, as, as les mêmes droits les mêmes droits d'utilisation. Après c'est sûr que tu as que tu as moins de possibilités avec le physique mais tu as je pense que tu as les mêmes droits d'utilisation, il me semble. Non, non, enfin, légalement, le prêt, effectivement, normalement, on n'a pas le droit de prêter un jeu, légalement, effectivement. Oui, voilà. Euh, ceci étant, la revente n'est pas interdite. Euh, non, elle n'est pas interdite du tout, parce que c'est courant et certains magasins le font et ça fait vivre certains magasins. Euh, toi, Thibault, euh, tu as parlé de praticité. Euh, tu préfères donc acheter un jeu en physique, en démat qu'en physique en 2024, oui, parce que le physique n'est plus du vrai physique, dans le sens que, avant, l'avantage, c'est qu'on disait, tu achètes du physique, c'est plug and play. Ce n'est plus du tout le cas en 2024, entre les patchs, les mises à jour, euh, le jeu pas complet, machin. Donc, déjà, ça, on oublie. Euh, deuxièmement, euh, je prends mon exemple. Si tu sors du taf, machin, il est 21h, tu veux jouer à un jeu, tu as, euh, as vu tes potes, on parlait, ouais, il est trop bien, on vient jouer à ce jeu, bah, 21h, les magasins sont fermés. Comme ça, tu es sur la console, hop, tu mets le jeu, tu direct. Euh, troisièmement, euh, alors je sais que certains adorent le côté collection, moi, c'est pas du tout mon délire. Et en fait, euh, j'ai euh, je sais plus combien 200 jeux sur Steam, 400 sur l'Epic Game Store, euh, j'en avais 150 ou 200 sur Xbox. Imagine si j'avais des boîtes, des petites boîtes là, comme des Blu-ray euh, pour chacun de ça, ce serait en fait bon, chez moi, ce serait Micromania quoi. Donc, ça, c'est pas possible en fait. À titre perso, je me veux pas inviter dans une. Euh, dans un cache express. Euh, Est-ce que tu avais, grande... Est avais une grande maison tu vois Non, je trouve ça. En vrai, à titre perso, je trouve ça horrible. Mais je respecte ceux qui, qui aiment bien. Mais moi, à titre perso, je ne veux pas avoir ça chez moi. Donc, euh, déjà, déjà, les Blu-ray 4K, je me dis, il faudrait que j'en enlève parce que je trouve que ça prend de la place. Et j'en ai me passant. Alors, imagine les jeux vidéo, j'en ai. Tout, tout store confondu, tout, tout, tout média, j'en ai, ai mille au moins. C'est possible. Et troisièmement, quand je dis practicité, c'est aussi en termes de distribution. Euh, tous les jeux en D, notamment. Heureusement que c'est en débat, parce que euh, sinon ce serait compliqué pour eux euh, si ça sortait qu'en physique. Après, je tiens à dire, je préfère le physique, le, 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 le débat, mais je ne suis pas contre le physique. C'est juste à dire, que ça, je, préfère, je préfère le, le débat. Mais quand il y a le choix entre les deux, bah, tant mieux. Comme ça, tout le monde est content. Il n'y a, a pas de débat là-dessus. Je suis en train de préparer un sondage. Au moins, ça sera. Vous pourrez voter tout au long de la soirée. Êtes-vous plus physique ou débat J'espère que je n'ai pas fait de porte d'orthographe cette fois-ci. Voilà, c'est bien. Euh, alors moi, c'est vrai que ben, j'ai 41 ans, je vous l'ai déjà dit <laughs> plusieurs fois, euh, donc j'ai commencé avec le physique. Donc, euh, et c'est vrai que acheter un jeu à une époque euh, en boîte, ce pas la même expérience qu'acheter un jeu aujourd'hui. Dans le sens que tu achetais un jeu, tu avais, une, avais euh, ben, des boîtes, elles étaient très jolies euh, et elles ne se ressemblaient pas toutes comme euh, aujourd'hui où tu as beaucoup quand même d'artworks de, de, qui, qui reprennent certains codes, etc. On sait par exemple que la jaquette de Bioshock Infinite a été imposée comme ça et que c'était pas forcément ce qu'avait voulu l'équipe de développement de Ken Levine. Et donc les pochettes, les, les boîtes étaient je trouve très belle, il y avait vraiment un c'est une autre façon de travailler sur le graphisme, mais je trouve qu'il y, qu y avait un cachet. Et surtout, on avait des très belles notices. Alors, peut-être que certains trouvent ça futile, mais euh, mmh. ou, ou, des, ou des objets comme des cartes et tout, des choses qu'on retrouve dans certaines éditions collector aujourd'hui, mais qu'on avait en fait naturellement dans des jeux à l'époque. Euh, et franchement, si vous feuilletez les notices des jeux Super Nintendo, il y a souvent des putains de pépites en fait, genre euh, en termes de, de déjà d'explication, de dessin, de, 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 de mise en contexte. Pour information, pe personnellement, je pense que ce qui m'a fait aimer Zelda, outre la qualité exceptionnelle du tout premier jeu sur NES, c'est aussi toutes les illustrations qu'il y avait dans la notice, Il y a qui d'ailleurs ont servi d'inspiration pour Breath of the Wild, comme quoi ce n'était pas, euh, pas que moi. D'ailleurs, on est beaucoup de joueurs de cette époque-là à avoir euh, rêvé et imaginé en fait Hyrule euh, comme elle était dessinée dans la notice alors que finalement dans le jeu ça n'avait pas grand-chose à voir mais du coup l'imagination travaillait et ces dessins nous donnaient en fait euh, un petit peu de contexte à tout ça et je trouvais que c'était euh, bon et nicolas avait dit quelque chose de beau Nicolas que je salue mon ami. La lecture de la notice dans la voiture autour retour du magasin. Quel souvenir. Oui, c'est vrai. On lisait la notice dans le retour du magasin, euh, comme ça. Euh, c'est intéressant. Alors Fab, qu'est-ce qu'il nous a dit Salut mon copain Fab. Je ne sais pas si vous avez vraiment poser des maths à physique, à mon sens, les deux sont viables et ça dépend des gens. Mais les questions se posent davantage sur l'accès au contenu et le prix. Alors, c'est évidemment, ça va être un thème en fil, en fil rouge de cette émission. Personnellement, donc, je suis. Je ne suis pas opposé. Comme j'ai dit, moi j'ai commencé avec ça et jusqu'à assez tardivement, euh, j'ai acheté mes jeux en physique. Tout simplement pour des questions de prix parce qu'en physique, eh ben, en France, on a la chance de pouvoir les toucher moins cher. Donc euh, quand on joue beaucoup, euh, 20 euros par ci, 30 euros par là, euh, c'est intéressant. On a la possibilité de les vendre. À la Moi, j'ai pas de micromania euh, dans ma ville, donc mais la FNAC, par exemple, au-delà de jeux vendus, ils te ne un... Je sais pas si c'est toujours en vigueur, mais il te donnait un petit bonus, donc c'était assez intéressant d'acheter mes jeux. Et puis pour le, co le côté collection, euh, un... j'aimais bien en fait avoir les boîtes, j'aimais bien les, même si elles étaient vides, il n'y avait rien à part un CD. Et puis en fait, euh, ben, on a eu de plus en plus de jeux qui n'étaient distribués que de façon dématérialisée. Je pense aux jeux indés. Impossible d'avoir une, alors peut-être qu'elle est sortie depuis, mais on va avoir une version boîte de Bread, de The Witness, de The Journey, de, de ce que fin de journée, oui, je crois que c'est sorti plus tard, mais enfin, en tout cas, voilà, tous ces jeux indés qui sont arrivés sur euh, console. Euh, Castle Crushers, etc. Donc euh, tous les premières vagues du, du XBLA, puis des, des jeux Sony, euh, parce que moi je suis un joueur console, donc je connaissais pas du tout Steam et compagnie, bah, ces jeux-là on ne les a eu que de façon euh, dématérialisée. Euh, Super Street Fighter 2 euh, HD Remix, pour euh, prendre un exemple euh, qui me vient en tête, bah, celui-là il n'existe, euh, à, à part être sorti dans des compilations après. N'existait qu'en version dématérialisée. Donc, on, on nous a forcé un petit peu la main, finalement, via ce genre de jeu-là. Mais euh, euh, c'est vrai qu'il y a eu des moments où euh, j'avais peut-être envie de faire un jeu et je regardais, d'un coup, il y avait une promo sur le PSN, un jeu qui était à 15 balles sur le PSN, en physique, il n'était pas en promo. Bon, tu dis, bon, ben, je le prends, et puis en fait, bah, tiens, je l'ai tout de suite, j'ai n'ai pas allé au magasin ou le commander, attendre quelques jours, donc il y a une instantanéité. Euh, c'est vrai. Et puis, euh, pour être tout à fait transparent avec vous, je vous le dis, hein, de toute façon, les éditeurs maintenant m'envoient les jeux et ils, à 99% du temps, c'est des jeux dématérialisés. Donc, euh, mais, ce que je fais, c'est que euh, quand un jeu me plaît vraiment et qu'il y a une belle édition collector, alors pas celle avec des statues euh, à part Street Fighter, euh, mais, euh, voilà, euh, parce que j'aime pas trop les fiches, pas très figurines, euh, malgré ma collection d'Amibo, mais euh, voilà, quand il y, y a une édition sympa avec des, des, un art, un art book euh, un CD une carte. une carte une carte voilà ça c'est important en général le, si le jeu me plaît je le prends euh, voilà et des fois même ça me plaît pas comme ff16 et je l'avais précommandé en pensant qu'elle est le jeu me plaire bon c'est pas grave c'est joli c'est joli quand même donc je suis un petit peu entre les deux euh, voilà euh, Thibaut tu tu tu, euh, tu 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 les vois comment les gens qui pensent qui font un peu les ayatollahs, entre guillemets, vraiment euh, du physique, alors sans manquer de respect à personne et surtout pas à Adjo, notre invité, mais euh, est-ce que tu comprends en fait que, que certains ont du mal en fait à avoir un bien qu'ils ne peuvent pas en tout cas toucher physiquement, qu'ils ne peuvent pas revendre, qu'ils ne peuvent pas euh, prêter, qu'ils ne peuvent pas euh, peut-être lancer euh, sans connexion Internet ou retélécharger si dans 20 ans leur console n'est ne, plus... Euh, si le service de la console n'est plus... Euh, n'est plus actif c'est quand même quelque chose d'important du euh, coup tu le comprends quand même cette position oui et non c'est-à-dire que je pense que c'est ça rejoint très bien ce qu'a dit Joe au tout début sur le service et le bien euh, au final à part les jeux de mon enfance où il y a la nostalgie qui parle où je veux garder mes cartouches Pokémon de la Game Boy tu vois parce que ça, ça c'est un affect particulier c'est ma cartouche de mon jeu de mon enfance globalement depuis euh, bah, depuis que j'ai euh, je ne pas 14 ans, on va dire, depuis que je, je suis un peu plus mature sur, euh, sur ma manière de consommer les jeux vidéo. Pas, pas en tant que personnalité, je ne suis pas un jugement de valeur des gens, je veux juste dire que moi, depuis que je me rends compte ce que c'est le jeu vidéo concrètement, en fait, je m'en fous d'avoir l'objet, dans le sens qu'un jeu que j'ai bien aimé à 14-15 ans, si je l'ai bien aimé sur PS3, dire jouer sur PC, dire jouer sur Xbox, que ce soit ma galette de l'époque ou pas, je m'en fiche totalement. Ce que je veux, c'est l'expérience de jeu, et moi, c'est ce que je vais prioriser. Et c'est pour ça un... que pour moi... Le, 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 le principal, en fait, ça va être quand je joue au jeu, la manière, c'est-à-dire, est-ce que c'est li est, est, est lisible, on va dire, directement par la console ou par le PC, ou c'est du streaming tu vois. Pour moi, ça, ça c'est déjà, là, je comprendrais. Tu vois. Si le fait que le démat n'existe que via le streaming et que, du coup, tu as, en quelque sorte, une technologie un peu tronquée par rapport aux gens qui vont jouer en dur avec directement le CD, là, oui, là, je trouverais ça, euh, je trouverais ça euh, gênant. Mais pour ce qui est de l'objet en lui-même, moi, j'ai aucun attachement pour l'objet, en fait. Et je, je comprends ceux qui ont besoin d'avoir un objet, mais du coup, je trouve que ce qui est dommage, ce que je ne comprends pas dans les ayatollahs du physique, c'est ceux qui vont boycotter un jeu parce qu'il est candémat, typiquement. Okay. Pour moi, ça n'a pas lieu d'être parce que le principal, ça reste quand même le jeu, ce qu'il propose. Après, si tu dis que le, le business model de l'entreprise, tu ne le trouves pas sain, bah, t'achètes pas. Mais appeler au boycott, c'est un peu... Euh, pour moi, c'est un peu comme si c'était devenu un... Un enjeu majeur euh, dans l'industrie ce que moi je ne considère pas être un enjeu majeur pour l'instant le chat est à 71% euh, côté physique euh, jio du coup euh, thibault a parlé de boycott de jeux qui euh, qui ne sortirait pas en, en physique est-ce que ça peut arriver toi de, de raisonner comme ça est ce que tu peux aller jusque là à dire euh, non ce jeu je le prends je le prends Ouais parce que, parce que... Oui, mais en, fait, en fait, ça s'entend euh, parfaitement de boycotter un jeu parce qu'il ne sort pas en physique. En fait, on est très, euh, dans, dans le jeu vidéo, on est très égocentré. C'est-à-dire qu'on va partir du principe que tout le monde a au moins la moitié de nos capacités euh, et de nos connaissances euh, en termes de jeux vidéo. Mais le jeu vidéo, c'est ça touche tout le monde. Euh... Et, et en fait, il y a quelque chose que je dis souvent, et quand je le dis, on me dit non, mais c'est pas possible, tu dis des conneries, je te crois pas, etc. Beaucoup, 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 pas une majorité naturellement, mais beaucoup de personnes n'ont pas Internet chez eux. <laughs> je, je vous le dis. Ça existe encore, non, bien sûr, ça existe encore. Beaucoup ça sera Il personnes... y a des solutions comme Starlink existent, etc. Bien sûr. Bien sûr. Mais, mais parce que les gens n'ont peut-être pas les moyens aussi. C'est-à-dire que pour le moment, le problème ne se pose pas trop parce que qu'effectivement, euh, les, euh, les, les, les gens, entre guillemets, qui sont en difficulté financière, euh, au niveau de leurs loisirs, vont peut-être plutôt se tourner sur la PlayStation 3. Euh, et donc, le problème ne se pose pas pour le moment, effectivement. Euh, mais les personnes qui seront en difficulté financière euh, dans 5, 6, 7 ans, qui se tourneront du coup sur la PlayStation 4, qui sera vraiment bradée, et ben, ces personnes-là qui n'ont pas les moyens d'avoir Internet, mais qui ont quand même envie de s'amuser, eh <laughs> ben, ben, ils s'amuseront pas, <laughs> tout simplement. On leur dira, ah, Alan Wake 2, ah, ben bah, non, <laughs> non, désolé, pas pour toi, frérot, pas Internet, c'est pas pour toi. Et, et même si ça concerne 2% de personnes, je m'en fiche, euh, à partir du moment où on met, euh, on met de côté une. Euh, une, une population précaire, je trouve que c'est très problématique, surtout venant d'un grand studio comme Remedy. Ça peut s'entendre effectivement pour les indépendants parce qu'il y a des questions de coûts et de distribution qui ont à voir. Mais pour Remedy, je, je trouve ça honteux. Donc le boycott pour moi ne, ne me choque pas. Tu l'as boycotté quand même ou pas toi euh, j'ai commencé par le boycotter, et après j'ai vu, que, et c'est la première fois de ma vie que je fais ça, j'ai vu qu'il y avait une faille pour le choper à 4 euros sur un store égyptien, j'ai dit bah chais <laughs> je vais le prendre à 4 balles sur un store égyptien, ça va faire 20 centimes pour Remedy, et ça, ça suffira bien. Je suis pas sûr de ça, hein, je suis pas sûr de ça, je suis pas sûr que ça fasse vraiment 20 centimes pour Remedy, enfin, euh, mais bon, quand, ah, je quoi, sais importe, pas, ça, mais... Va... En tout ouais, cas, ils n'ont pas plus de 4 euros à moi, ça c'est sûr. <rire> <rire> Pourtant, le jeu aurait mérité 80. Oui. Pas de le problème. Jeu, le jeu, le en rayon, je l'aurais acheté 80. Pas de problème. Mais du coup, attends, vraie question. Est-ce que tu es prêt à payer plus cher en physique qu'en débat Bien sûr. Okay. Bah, c'est bien d'être honnête, parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est pas le cas. T'as beaucoup de gens qui sont pro physique, mais pro physique via euh, Intermarché ou Leclerc ou Carrefour, qui frappe. Ah non non non, non. Tu vois ce que je veux dire Non non non. Alors attention, parce que justement, moi je suis pas, je suis comme toi, hein. je suis pas contre. Enfin, euh, co je suis pour physique, mais je suis pas contre. Par contre, le support physique a besoin d'être légiféré en profondeur pour que ça devienne sain. Euh, par exemple, quelqu'un dans le chat a dit ouais, mais bon, euh, la pollution, etc. Je suis tout à fait d'accord que, que la pollution est problématique, par exemple, sur le physique, parce que maintenant euh, le physique n'est plus ou moins qu'un code d'accès pour le jeu. Euh, pour moi, ça ferait longtemps qu'il aurait dû avoir une loi qui stipule que un jeu n'a pas le droit à une mise à jour de plus de temps de gigas parce que sinon, euh, dans ce cas-là, euh, quand tu achètes un DVD, euh, tu as ton DVD et tu télécharges le film avec. Quoi. Enfin, ça n'a ça, ça aucun ça, sens. Alors, ça me permet de rebondir là-dessus, euh, si tu oui, me permets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité des jeux qu'on achète en physique, euh, alors, ils sont jouables parce qu'il y a un site qui, a, qui recense finalement, euh, je crois que 75 ou 80% des jeux euh, sont jouables si c'est pas plus euh, vraiment en sortie de boîte par contre il y a jouable et jouable c'est à dire que Assassin's Creed Unity était jouable mais dans quelles conditions en fait c'est à dire que jouable c'est à dire que il y a il y a le jeu mais en fait aujourd'hui la culture du patch day one est tellement importante et tellement euh, forte dans le sens que, clairement, nous, en tant que créateurs de contenu, on le voit euh, quest ce qui se passe. Euh, de, avant, des fois, on a le jeu avant qu'il y ait le patch Day One, qui en fait, c'est un patch qui arrive quand même quelques jours en amont pour que les testeurs puissent l'essayer. Mais des fois, on, on reçoit les jeux avant ce patch là. Et ça peut être le jour et la nuit, en fait. Donc, euh, c'est assez problématique. On va prendre un exemple extrême. Tu achètes le Cyberpunk PS4 pour faire plaisir à Joe et, et à, ses, à la famille qui n'a pas beaucoup de moyens. Il n'a pas internet, il achète une PS4, il joue à Cyberpunk PS4, mais c'est pas la même expérience que le mec qui joue euh, qui joue à la version euh, de la 3.0, je sais plus combien, de, de cyberpunk qui a été patché en fait sur deux ans avec des ajouts, tu vois. C'est ça. Évidemment. Oui, c'est pas la même expérience. Quand, quand est-ce que. Euh, ouais, mais alors moi, j'ai une question. Quand est-ce que c'est devenu acceptable, ça Alors, je... quand est-ce que c'est devenu acceptable de quoi De sortir en fait Ouais, c'est inacceptable. Bah ça n'existait pas à l'époque de la Super NES. <laughs> ah, alors, si je vais répondre, une réponse un peu style à la démarche, je pense que c'est à partir du moment où l'industrie a fait des projets tellement ambitieux que le QA est tellement compliqué que du coup, il euh, y a des bugs. quoi en fait. Depuis que les projets sont hyper ambitieux, que ça demande et les euh, des deadlines, Les deadlines sont de plus en plus serrés et du coup. Euh, je euh, dirais l'ère de l'acheter, du coup. Euh... Les, 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 non, non, mais oui, on le séquençait, c'est, c'est la, la PS3 euh, 360 au fil du temps. Mais en fait, c'est-à-dire que clairement, aujourd'hui, les équipes de développement, ils doivent rendre une version Gold. Euh, quand un jeu est Gold, c'est-à-dire qu'il est certifié pour être euh, commercialisé. Pressé. Euh, et -pressé, oh, euh, pressé et donc euh, potentiellement distribuable donc, sur les plateformes de, 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 du PSN et d'Xbox, euh, pour prendre ces deux exemples-là. Et euh, en fait, ils savent qu'entre ce moment là et le moment de la sortie du jeu, des fois, tu as jusqu'à deux mois, en fait, tu as un mois et demi, deux mois. Ils savent que c'est du ces deux mois, c'est encore deux mois de boulot qu'ils ont. Alors qu'en fait, le développement devrait s'arrêter. En fait, au gold, au moment où le jeu passe gold, le développement devrait s'arrêter parce que c'est ça le problème. C'est tout à fait le développement. Le développement continue. Et moi, ce qui me gêne aujourd'hui, en fait, dans le physique, enfin, c'est pas le physique qui me gêne, c'est que j'achète des trucs. Où en fait, il ben y, a, y, a, y a des jeux, il n'y a rien dessus. Me semble-t-il que c'est pas Halo, il n'y a rien dessus, le dernier Halo Il me semble. Il n'y a rien. Les Call il n'y a rien dessus. Hein. Les Call il n'y a rien dessus. Enfin, alors. C'est pire, parce que je vois ça. dans le chat, ça parlait des serveurs, euh, à juste le titre, sur l'écologie. Oui, des serveurs, dans l'absolu, ça pollue. Sauf qu'au final, tu achètes ton jeu, tu as un patch de, que ce soit de 10 Go ou de 100 Go. Ok, il y a 90 gigas de plus, mais au final, les serveurs se sont quand même mis en route pour que tu télécharges. Non, de je, voulais, je voulais volontairement ne pas parler d'écologie ce soir parce que je, okay. je n'arrive pas ouais. à trouver de mais data fiable, vraiment de data fiable sur qu'est-ce qui pollue plus, qu'est-ce qui pollue le moins. Euh, enfin, c'est vraiment une galère de trouver ça. C'est sûr que un jeu physique, tu dois compter euh, la fabrication, le transport, le plastique. Je pense que c'est surtout le transport qui... Voilà, non, mais le plastique aussi, puisque le plastique est un problème. Maintenant, le data, le, les datas, évidemment, consomment beaucoup, donc le téléchargement. Mais donc, mettons cette question de côté pour un autre débat, si vous, je suis si vous voulez bien le chat. Euh, mmh. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, quand j'achète un jeu en physique et que euh, si, si, je le, si je mets ma console hors ligne, il est soit peu jouable, soit... Euh, voire carrément ou injouable parce qu'il n'y a quasiment rien dessus. C'est un problème. C'est un problème et c'est un problème de. Euh, clairement, on sort un jeu dans une boîte pour être dans les magasins et pour faire plaisir aux gens, mais on ne pense pas aux gens qui n'ont pas de connexion Internet, comme l'a dit Joe, parce que ça existe encore, alors c'est marginal. On ne pense pas aux gens qui ont des connexions Internet qui sont. Euh, des... Moi, je ne sais plus qui me dit des fois, j'en ai pour des fois deux gens qui en ont un pour deux jours pour pouvoir télécharger un patch. Mmh. Les gars, c'est quand, quand même dommage. Ça, ça existe encore la télé euh, la TNT mais pas via euh, pas via euh, OTT, tu sais, euh, parce que maintenant toutes les toutes les télés c'est via TNT numérique parce que ça existe encore avec les antennes et tout parce que parce que que je ne sais rien, le... mais, mais peu importe, là, le, ça n'a rien à voir. Alors, en fait. la, 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 la TNT, si je comprends ce qu'il veut dire, c'est que euh, la, la TNT, il y a eu un tôt. véritable travail d'accompagnement de, euh, des personnes en précarité, etc. Hein, pour la TNT, hein, ça n'a rien à voir, hein, pour le coup. Ok, parce que j'allais dire, quelqu'un qui a une situation précaire qui n'a pas Internet, techniquement, il n'a pas le droit à Netflix, à Amazon Prime et compagnie, de base. Si la télé, maintenant, pour moi, je sais que moi, avec ma box, c'est par Internet. Beaucoup de gens, je sais que c'est par Internet. Tu te dis, euh, en fait, il n'y a aucun loisir maintenant qui n'est plus. Euh... Non, non, mais la, la TNT, il y a eu justement, il y a eu beaucoup de lois, euh, la, parce que j'étais déjà en magasin, quand la TNT est arrivée, oui, je suis si vieux que ça, euh, et quand la TNT est arrivée, il y avait des lois qui obligeaient les magasins à fournir, euh, voire même à venir l'installer, etc. Enfin, il y avait un vrai travail d'accompagnement pour que tout le monde ait la TNT chez soi. Mais toi, tu parles du tuner TNT, c'est ça euh, ouais, ouais, oui, oui. Euh, du passage à la TNT, car on est passé de, du format antenne au format terminal. La TNT, ça passe aussi par les antennes râteaux. Hein, euh, c'est plusieurs gens qui l'ont mis oui. dans le chat. Le fait est, c'est que a... enfin, moi, je mets à la, personne une per... la place d'une personne qui achète le Halo, eh ben, il ne peut pas y jouer s'il n'a pas une bonne connexion Internet. Enfin, ouais, euh, ça ouais, rend fou. Il va devoir, il va devoir galérer. Enfin, imagine, tu achètes ton jeu, tu le mets, tu dois attendre des heures avant d'y jouer, quoi. Ah, c'est insupportable. Ça, je trouve, trouve qu'il y, y a un souci, mais le, le, le souci vient surtout qu'en plus, ce qui est terrible, c'est que c'est un jeu qui a été repoussé d'un an. C'est ça qui est terrible en fait. C'est-à-dire que tu vois, genre tu te dis bon, les gars, quand même, le jeu il a été repoussé d'un an. Vous aviez un an, vous pouviez pas faire un, un Blu-ray qui contienne tout en fait. Enfin, c'est. Parce que assez sur, sur la boîte de jeu, il y avait écrit euh, code. Enfin, euh, il y a besoin d'avoir. Pour, pour un autre c'est si pas un code c'est un, un ouais mais si c'est écrit en gros jaune c'est en mode vraiment warning attention non 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 non, 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 non moi le mec, non, le mec il le sait direct s'il le sait pas oui c'est limite la publicité mensongère mais non mais globalement tu parles de cyberpunk mais tu prends l'expérience moi je mets mon cd de cyberpunk dans ma xbox je débranche ma xbox d'internet alors je me demande même je crois que la xbox certains jeux t'as pas le droit d'y jouer si tu les mets pas à jouer en fait il me semble que sur xbox c'est comme ça T'es obligé de mettre oui, le jeu. J'aurais plus de mais euh... et pour beaucoup de jeux. Il me semble non, euh, je, tu n'as pas le choix pour pour, des, pour certains jeux, comme sur Play, euh, de, de jouer hors ligne en fait. Ou des fois la Switch, euh, voulez-vous démarrer en l'état ou mettre à jour en fait. Non mais tu t'as pas le choix. Donc euh, et c'est quand même problématique. Je sais pas, c'est pas que Xbox, hein, c'est tous les constructeurs, les éditeurs tiers. Pour moi, c'est problématique à partir du moment où tu vends un produit en physique. Il doit être terminé. Alors, je veux bien que, euh, évidemment, les jeux aujourd'hui sont amenés à avoir des mises à jour, sont amenés à avoir des, des correctifs, des patchs etc. Mais euh, c'est sûr que l'expérience qu'on a, je prends Cyberpunk parce que je pense que c'est le cas d'école le plus qu'on est Donc, si je mets un Cyberpunk dans une console aujourd'hui qui n'est pas connectée à Internet, l'expérience, l'expérience que je vais avoir. Face à l'expérience que j'aurai une fois que, que le, les mises à jour sont installées, ce sont deux jeux différents. Mais vraiment, c'est vraiment deux expériences de jeu très différentes. Et ça, pour moi, ça pose une certaine problématique euh, qui va au-delà du fait que bah, les gens qui n'ont pas Internet, qui, qui veulent jouer à Cyberpunk, tant pis pour eux. Tu vois, c est, c est... Alors, on va nous dire, ouais, vous n'avez avez, vous qu'à avoir Internet. Alors, c'est bien, on est en France. Euh, on est plus ou moins bien équipé. Mais il y, y a des régions dans le monde, et même en Europe, qui sont pas équipées, qui sont pas aussi bien équipées, où c'est compliqué d'avoir Internet, où, où tout est compliqué. Donc, ça, ça c est, euh, c est des, quand, quand les produits sont vendus sur ces marchés-là, je trouve que ce n'est pas normal. Mais ça pose une deuxième question aussi. Dans 20 ans, quelqu'un veut jouer à Cyberpunk, il va dire tiens, j'ai le CD, je peux y jouer. Et on ne sait pas, peut-être que les firmes auront disparu, les consoles auront peut-être disparu, etc. Il va, il va mettre le jeu dans, dans sa console et il aura l'expérience vanilla, qui est médiocre. Et comme les serveurs seront peut-être fermés, peut-être, je ne dis pas que c'est le cas, mais peut-être, peut-être qu'un jour, c'est des projets de dire bah, à partir du moment où il n'y a, a plus de support sur euh, Cyberpunk, il n'y a plus de mise à jour et débrouillez-vous, quoi euh, et bah, Du coup, cette personne-là ne pourra pas avoir l'expérience. Et donc, l'expérience finale... Euh, je, ne sais, je sais qu'ils ont sorti une édition physique avec le Phantom Liberty. Les... Oui. Euh, et donc je ne sais même pas ce qu'il y a sur cette édition physique. Si, si c'est juste euh, le droit Allez. de télécharger l'extension ou est-ce que, est que le jeu est mis à jour directement sur le CD C'était sur le CD. Non, c'est sur le CD, mais là tu as pris l'exemple qui est limite le bon exemple du DMAT. C'est-à-dire que CD Projekt, ils ont une plateforme qui s'appelle Gog. C'est un, ouais. une plateforme sans DRM. Et quand tu achètes tes jeux sur Gog tu le télécharges, tu peux le mettre sur ta clé USB, tu vas en parlais de près de, de, de jeux ou quoi que ce soit, tu peux le mettre 100 fois sur 100 CD différents, tu en fais ce que tu veux. En fait, il n'y aura rien qui va vérifier que tu as payé le jeu avant. Et du coup, tu ouais. pourras l'utiliser. Donc, tu as ta clé USB avec euh, CD Project, euh, avec euh, Cyberpunk, euh, Phantom Liberty et tout dessus. Dans 20 ans, tu la rebranches à un truc compatible avec bah, Windows techniquement, si c'est euh, compatible euh, DirecTX, et ben, bah, il va lire le jeu. Et ça, dans l'idéal, ça aurait été bien pour le débat Après, bien sûr, il y a la question tout ce qui est du piratage, parce que forcément, euh, si n'importe qui peut télécharger, ça veut dire que il suffit qu'il y ait un mec qui achète le jeu, et le met sur, euh, sur les plateformes illégales, illégaux. Je ne sais plus comment on dit. Ouais, non, mais moi, Non mais, euh, moi je, non, mais euh, évidemment, moi, je, on pourra toujours me est... dire, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est pas grave, il y a l'émulation. Et oui, évidemment, non, dans 20 ans, là. Mon, on... mon point, tu vois, mon point, c'est de dire, tu vois, tu parles de ton CD PS4, mais... En fait, mais oui, mais oui c'est un, -ce un carré. Mais le... Je tu mais me oui, réponds oui, par GOG, c'est bien, mais c'est un autre langage, en fait. Non, non, mais mais même sur console, en fait, pourquoi est-ce que tu veux lancer la version PS4 C'est ça, moi, que, qui me dérange dans cette vision un peu propriétaire de la chose. Alors, il y a plein de gens. La version tu vois, définitive euh, du jeu, déjà, c'est la version ps Il y a, qui, il y a plein de gens. Non, parce qu'elle est vendue sur PS4. Il y a, elle était vendue sur PS4. Donc, la personne. Moi, je connais des gens qui l'ont acheté sur PS4. Mais je dis pas le contraire, moi je l'ai acheté sur PS4. Mon point, c'est de dire que le jeu, la version définitive voulue par les devs, c'est la version PS5. Oui, mais, mais, mais peu importe, moi j'ai un disque PS4, ah il non, est censé marcher sur ps Non, non, il est censé marcher sur PS4. Mais, mais là, on n'est pas, on là, est pas, là, on est pas en train de me dire... Que tu dire ah, mais bah tu non, vois, euh, tu vois, genre... Tu parles de l'objet parle en tant qu'objet, moi je te parle en tant que jeu vidéo. Oui, mais c est, c est, le jeu vidéo devrait être, pour moi, ce qu'on a eu avec la version 2.0, c'est ce qu'on aurait dû avoir Day One en fait. Il est là le problème, c'est-à-dire qu'on aurait dû avoir ça, Day One, mais le non, produit qu'on a eu en, en, en boîte. On prendre à l'envers, qu'on a eu Day One, c'est un mauvais jeu. Et au final, grâce au fait qu'on peut avoir des patchs et machin, on a eu un autre jeu. Je suis d'accord, évidemment, c'est génial. Tu vois, l'époque des patchs est géniale pour ça, je suis d'accord. Mais c'est philosophiquement qu'on en vienne à devoir avoir des jeux, des patchs, pour avoir un bon jeu. C'est ça le truc qu'on ait des patchs, des petits correctifs pour certains bugs mineurs, etc. Bah ben en fait, je prends l'exemple de Nintendo. Leur jeu se met à jour, mais globalement, tu peux ne pas mettre à jour les jeux Nintendo. Dans 99,99% ,99 des cas, il y aura pas de souci en fait. Et même sur des jeux ambitieux comme Zelda. Sur, sur que, Switch, on est d'accord. On attend de voir ce qu'ils vont faire dans le futur. Oui, pour l'instant, on est sur Switch euh, parce que les mecs, ils, ils, ils prennent le temps de polir et ils pensent à tout le monde. Et, et ça, je trouve ça bien. Et personnellement. Bah, tu vas me dire pourquoi des gens aujourd'hui et des tonnes et des tonnes et des centaines et des milliers de fans réclament d'avoir le droit de regarder Star Wars comme ils l'ont découvert dans leur enfance on leur dit non vous avez pas le droit en fait c'est comme tu vois par exemple la Director's Cut de, du Parrain 3 on, on en pense qu'on veut pour moi j'ai tellement vu le Parrain 3 que je préfère la version originelle du Parrain 3 et heureusement que euh, euh, les, quand ils te la vendent ils te vendent les deux tu vois sur le Blu-ray 4K il y a les deux versions, du, de, il y a les deux films, les deux montages du Parrain 3. Mais si à terme, il y a plus que le dernier montage, moi, je trouverais ça scandaleux. Tu vois, si à terme, il y a d'autres technologies, que mes disques ne marchent plus et que je suis obligé de regarder cette version-là, ça, ça va me faire câbler, en fait. Ça va me faire câbler. C'est juste, tu te dis, bon, bah, il y a des choses qui se perdent, en fait. Et là, là je oui. je reprends le, le disque de Cyberpunk. Le mec qui, qui, qui un jour, veut jouer à, à Cyberpunk, il met dans sa, sa PS4. Il n'a pas un bon jeu. Il, est, il, est, euh, il a mais... l'expérience que les gens ont eu des one, qui était mauvaise. Oui, mais ce pas la normal, même, en, en fait. Mauvaise en 2020, et ce sera la même en 2040. Tu ouais, vois, en fait, ce que je suis, dis, c est, c est, en théorie, je suis d'accord, mais en réalité, si tu je fais, fais un ça... un peu l'avocat du diable, hein, bien sûr. Hein, Qu'est-ce qu qui différencie un jeu service d'un jeu normal Par exemple, un mec qui joue tu vois, un jeu service, mais pas forcément un jeu service qui a besoin de, 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 de toujours, tu sais, genre pas Destiny, quoi, d'autres jeux service mmh. Euh, les les dev... Divers Ouais, ou elle dive... elle Divers 2. Mais les... un, jour, un jour, les serveurs ils vont fermer. Donc ce jeu-là, il va être. Bah, pas grave. À... Mais si c'est grave, si c'est grave. Alors là, moi, bah, je suis pas si, d'accord. Mais, mais, mais non, grave. mais voilà. Mais, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience de jeu. Il y a rien de grave. Regarde. Le jeu, il a mais, tellement mais, évolué qu'au moment ils ont fait World of Warcraft classique. Mais c'est l'expérience de jeu qui évolue comme ça. Non, mais Thibaut, c'est-à-dire que demain, demain, j'ai importe n'importe quoi, 2033. Euh, Sony dit on ferme les serveurs d'Eldivers 2, plus mm -hmm. personne ne peut jouer à Eldivers 2. Et, et ça c'est un problème. Ben, c'est un problème. Parce que ah, surtout je... pour les gens qui ont acheté un jeu en fait, c'est un problème. Mais on, a, on a acheté un Mais, mais non, mais tu vois c'est ça le problème. On a acheté, on veut, on veut garder, on veut collectionner, on veut truc Moi je suis pas d'accord, c'est tu joues. Et en fait si Mais, mais, mais Thibault, si, si le mec il a, bon bon. il a bon. envie de jouer dans 13 ans, et s'il a encore envie d'y jouer dans 13 ans, moi je joue encore à des jeux, ben, va dire ça à Mathieu qui, qui, qui adore... Euh, qui adore jouer mais à ces anciens services dans villes. Et si un jour on lui dit non, tu n'as plus le droit d'y jouer, pourquoi ben non, parce qu'on a décidé de fermer des serveurs. Je sais qu'un serveur, non, mais là, l'a bien expliqué. De... Oui, là, mais, genre, mais tu si vois par exemple, y joue, si personne n'y joue, on va pas dire parce que Yannick le le problème, le problème, c'est que c'est pas tiens, personne. Ah, ah, joue. ah, ah, ah si, si si, 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 parce que Yannick l'a payé, comme tout le monde. Point. J'ai payé Il mon jeu. Et c'est ça le problème. Moi, je le vois de base comme un service. Je veux jouer à un jeu, je paye mon expérience. Mais c'est pas un service. Bah pourquoi Ceci, c'est un service. Parce que c'est pas un service. Non, c'est pas un service. Ou alors, dans ce cas-là, il faut, cas faut me réduire la TVA à 5%. Ouais, mais si c'est que des notions de, de taxes. Ah des... bah, de, bah c'est des notions de loi surtout. Si c'était ah, un non, service, pas, la TVA serait à 5%. Quand j'achète un jeu, je me dis pas, je vais le garder 80 ans. Je me dis, je vais y jouer pendant un mois. Je paye cette expérience-là pendant un mois. Et quand je le garde, alors, non, non, mais, 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 finale, mais, pourquoi un si... mois pourquoi que un que mois, je vais jouer pendant un mois, le temps que je le fasse, quoi Si c'est trois mois, je le, je le paye. Mais Dans si as ma si envie, si, si, si en, par exemple, euh, bah moi, je vois ma communauté Street Fighter, ça fait euh, 13 mois, enfin, ça a fait mm. un an qu'ils sont dessus, pardon. Oui. Et c'est un jeu qui, est, qui, qui va durer euh, mais des années. Pas compris. mon raisonnement, c'est pas de dire ça. Mon raisonnement, c'est de dire, je paye pour y jouer. Et je dis un jeu solo, je paye. le fais en un mois. Si je le fais en six mois, il dure six ouais, mois. Non, mais là, mois. je te parle, je prenais l'exemple d'El Divers 2, tu vois. Je prenais l'exemple d'El Divers 2. Je savais, si tu me dis que dans 15 ans, il est débranché. So what On ira aura jamais 15 ans. Ben non, parce qu'en fait, je sais bien que je ne suis pas propriétaire du jeu. Je sais bien que je suis pas propriétaire du jeu. Le seul propriétaire du jeu, c'est Sony. C'est ce PlayStation. Mmh. Moi, je suis propriétaire d'une licence d'utilisation. Le problème, c'est qu'on ne me met pas de date limite à ma licence, licence d'utilisation. Si on me dit, et ça, ça, ça changerait tout en fait d'un point de vue juridique. Et peut-être que quelqu'un dans le chat peut me confirmer ou m'affirmer ça. Si on me dit vous, on, on, vous, ce que vous achetez, en fait, parce que c'est ce qu'on achète, que ce soit physique ou des maths, on achète une licence d'utilisation. Ça, depuis toujours, c'est si, comme ça. Ben bah oui, c'est comme ça depuis ça. toujours. Mais, mais par contre, euh, si on me dit que ma licence d'utilisation, si on me donne pas une date limite, je trouve que c'est vicieux, en fait. C'est-à-dire que si, pas de, si on me dit. Si on me dit euh, c'est 15 ans. Vous achetez... Mais si on me dit que c'est 15 ans, c'est marqué noir sur blanc, il n'y a aucun souci. Mmh. Je signe pour 15 ans. Si, si on si ne me dit pas que c'est pour 15 ans et que du jour au lendemain, dans ces cas-là, demain, ils débranchent les serveurs d'Eldivers 2. Comme mmh. ça, c'est genre euh, comme ça. Ben bah oui, euh. alors je comprends la problématique. Je comprends qu'en fait, c'est juste une question de... Tu as des mathématiciens qui, euh, des, 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 dans, les, dans les studios, dans les, chez les éditeurs, qui font un, qui font un truc. OK, Votre jeu, euh, là, euh, The Crew, nos serveurs, pour, pour maintenir le jeu en vie, ils nous coûtent, je sais pas, n'importe quoi, ils nous coûtent euh, 1000 euros. Et il y a euh, X joueurs qui jouent dessus, le jeu ne nous rapporte plus rien. Et en fait, c'est X joueurs. On considère que c'est trop peu. Donc du coup, bah, euh, par rapport au serveur. Donc du coup, on débranche The Crew parce que c'est ce qui s'est passé. C'est pas, c'est pas oui, ce ce pour chercher. Et je veux bien. Que, alors je veux bien. Et Mar, il l'a dit dans son trade. Il y a un The Crew 2. Euh, ok, mais il y a peut-être des gens qui préfèrent The Crew 1. Il y a peut-être des gens qui préfèrent The Crew 1. Et ils, Et ils ont joué. Coup, ils ils ont joué pendant 10 ans. Mais ils ont peut-être encore Et... envie d'y jouer. Mais il y a. Tu comprends que. Moi, si demain on du me jeu débranche. Jeu. Le, 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 on débranche le. Il y a encore plein de gens qui jouent à Street Fighter 4, un jeu qui a. Euh... Il est de 2008, le jeu. Imagine, j'arrive même oui. pas à compter. Oui. Il est 2008. Il y a encore des gens qui jouent en ligne dessus. Il y a des gens qui s'éclatent. Mais moi, ça m'arrive de faire de moins en moins parce que j'ai moins le temps, mais des quelques parties en ligne sur, sur Ultra Street Fighter 4, sur PS4, et donc bon, via la PS5. OK. Mais si demain, on m'enlève ce droit-là, je deviens malade. Ça me rendrait malade. Non, t auras, t auras des Ça me rendrait malade. Bah, non, il n'y en a pas. Mais Street Fighter, si tous les jeux PC, t'as un mec qui dit, on va payer un serveur, tout qui est chaud pour jouer à Street Fighter 4, le truc, il coûte 100 euros par an, il y a 100 personnes, ils payent tous 1 euro, ils ont un serveur pour jouer en ligne. Mais je sais bah, pas. Bah, tu rigoles. Tu... <laughs> si, il faut que l'éditeur accepte d'avoir des serveurs personnalisés. Dans les Call of Duty, pendant longtemps, ça a gueulé pour avoir des serveurs oh oui. perso. Comme il y avait de, oh oui. sur Battlefield. Si si, si Capcom dit non, il n'y a pas de serveur personnalisé, il faut que tu aies un PC, que tu tweaks ton PC pour pouvoir, avec une version piratée, pour pouvoir euh, euh, y jouer via une plateforme. Mais euh, euh... tu peux le faire. T'as tout plein de jeux. Non, qui mais moi, si je suis sur ma PS4 et que je veux continuer à jouer euh, sur mon écosystème PlayStation à mon jeu et qu'il est débranché, je suis désolé, ça va me faire câbler parce que j'aurais toujours envie d'y jouer. Parce que c'est un jeu depuis 2008, même s'il y a eu Street oui. 5, même s'il y a eu Street 6, ouais, j'ai toujours pas de... envie d'y jouer. Capcom, euh, ils savent qu'il y a encore de l'activité, ils savent que pour le coup... La... Mais un jour, il n'y aura de... peut-être pas suffisamment d'activité, mais c en fait, c'est le pas suffisamment, c'est, ok, vous, vous êtes les plus fidèles et on... regardez ce qu'on vous fait. Moi, je le vois comme ça, perso. Moi, c'est comme ça que je le vois. Perso, ouais, que dans après... Je... Euh... Dans le chat, du coup, c'est animé, animé. Je sais que c'est animé, je sais que c'est clivant ce que je dis, ne vous inquiétez pas. Je vois Kingdom of style qui me dit, pour moi, c'est inadmissible qu'on retire un produit culturel que tu as payé 80 euros, vieux ou pas. On ne m'a jamais retiré le droit de lire de vieux bouquins de vieux films. Mais alors, en fait, moi, je suis pas d'accord. C'est pour moi, le jeu vidéo n'est pas comme un bouquin ou un film. Oui, alors... De que que base je, je peux... Je peux me permettre. Je me permets. Vas-y, euh... Vas t'es là pour ça. Tu vois. Déjà, déjà, pour commencer, je ne peux plus entendre que, que c'est un produit culturel. Si c'est un produit culturel, pareil, vous mettez la TVA à 5% et vous mettez un prix éditeur. Ce n'est pas un produit culturel. Vous pouvez considérer ça comme une culture, vous êtes tout à fait libre, mais ce n'est pas un produit culturel. Euh, ensuite, l'exemple de Cyberpunk qui était intéressant, et je reviens euh, sur justement pour moi le besoin de législation sur le support physique. Cyberpunk est aussi un exemple parce que c'est le seul jeu où les développeurs ont dit, OK, euh, effectivement, notre jeu, si vous n'avez pas Internet, il est cassé. Vous le ramenez, vous nous faites un petit, un petit mail. Euh, vous le ramenez à Auchan, à Leclerc, n'importe où, et nous, on vous le rembourse. Il y a eu une grosse vague de remboursement chez, euh, chez, chez CD Project, et je comprends pas, je comprends pas que ça, on n'en ait pas déjà fait une loi stricte. C'est-à-dire que si le jeu, pour fonctionner, a besoin de 40 giga d'Internet, eh ben, le consommateur a le droit de se le faire rembourser. Point. Et tu verras que le jour où on fera une loi de ce genre, comme par hasard, comme par hasard, ils arriveront à faire des jeux des One potables parce que c'est possible. On a beau me dire oui, mais non, mais c'est devenu compliqué. Last of Us 2, non, ça non, je ça le porte pas ça. dans mon cœur. Last of Us 2, il est sorti, il était nickel. Uncharted 4, il sort, il est nickel. God of oui, War, il ça, sort, ça. il est nickel. Ghost of Tsushima, il sort, il est nickel. Sony sait le faire. On va pas me dire qu'Xbox n'a pas les moyens de le faire c'est pour moi c'est un foie enfin, Xbox, EA, euh, c'est des project très de Ubisoft qui voulait alors on on voit plus ta cam Gio je sais pas si c'est ouais. normal euh, non c'est pas normal je travaille dessus ok Gio je, je okay. vais juste te, 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 te répondre juste à ça t'as pas peur que si jamais justement il y, y a la loi qui dit dès qu'il y a plus de 40 gigas machin les mecs peuvent rentrer euh, se faire rembourser leur jeu en magasin t'as pas peur que du coup ils disent bah en fait on va plus le faire en physique ce sera uniquement des maths allez-y S'ils pouvaient se passer du physique, ils l'auraient déjà fait. Tu crois qu'ils le font par charité Non, mais du coup, est-ce que tu penses que, imaginons Xbox, ils savent que leur jeu, euh, ils vont faire 80 gigas de patch des one. Est-ce que tu crois qu'ils vont se dire, on va se risquer un shitstorm en disant, euh, on va le sortir euh, en physique, mais les gens vont se le faire rembourser Ou sinon, ils le font. Bah, ils le sortent, plus, déjà. Ils déjà, le sortent sur... déjà pas, leur ouais. jeu. Voilà, donc du coup, euh, ils n'auront aucun intérêt à le sortir en physique. Et du coup, ça va accélérer encore plus la transition euh, des maths pour eux. Ouais, mais euh, non parce que en fait, c'est toujours c'est toujours ça. En fait, c'est toujours il faudrait toujours se plier par la peur que les entreprises ensuite nous la mettent encore plus profond entre guillemets. Euh, non, arriver à un moment, c'est un petit peu comme le chantage à l'emploi ou le chantage de ⁇ Ah oui, bah non, mais si on, nous, on arrêtera d'eux ⁇ Arriver à un moment, les gars, s'ils sont là, si Sony vend encore du jeu en boîte, si Nintendo le fait, etc., c'est parce que ça leur rapporte énormément d'argent. Donc moi, je leur dirais tout simplement bah, ⁇ Les gars, euh, si, vous, euh, ouais, si, si, si vous voulez vous passer de la manne financière que représente le support physique, il n'y a pas de problème, les gars. mais euh, on verra <laughs> on verra okay. après, après, euh... après 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 euh... on parle des mauvais élèves parce que là tu as pris les exemples des bons élèves tu dis ceux qui rapportent de l'argent justement c'est Nintendo c'est Sony et tout tu vois Microsoft est-ce qu'ils ont vendu énormément d'Halo Infinite en démat le code je crois. Ouais bah, peut-être ouais bah, alors ça en fait, c'est pareil c'est-à-dire que effectivement euh, est-ce qu'ils ont est-ce que euh, Turtle Rock a vendu beaucoup de Back for Blood non mais peut-être que après la douille qui était evolve euh, chat et chaudé euh, craint l'eau froide comme on dit euh, donc euh, effectivement euh, mais ça après c'est eux avec leur clientèle hein, euh, c'est à eux de se faire une réputation correcte, ça pour le coup c'est vrai qu'on peut pas le faire à leur place quoi Non c'est sûr, alors là le poteau que j'embrasse personnellement dès qu'un jeu demande un téléchargement obligatoire maintenant c'est boycott ou en forte promo occasion de questions que je soutienne ça. Euh, je peux, je peux, je peux l'entendre. Après, là, il y a eu évidemment la, y a une mini polémique. On en a parlé de Star Wars Outlaws qui va demander à l'installation du jeu une connexion Internet. Oui. Je me permets euh, un petit euh... dernier truc sur Star Wars. Excuse-moi. Il -y. Euh, y a pas longtemps, je voulais voir Star Wars épisode 1, donc la menace fantôme. Je voulais le voir de la même façon que je l'ai vu au cinéma. Ouais. Eh ben, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut Parce que la différence, c'est la version cinéma, c'est que Yoda n'est pas en 3D. Yoda est encore en marionnette dans, dans Star Wars épisode 1. La seule façon que j'ai trouvée, c'est l'édition import cd Japon. <laughs> c'est-à-dire qu'une une œuvre culturelle, c'est-à-dire quand même, on ne parle pas d'un truc sorti de derrière les fagots, on parle de l'édition cinéma de Star Wars épisode 1. Quoi. On parle quand même d'un truc énorme. Et eh ben ça, euh, ben, euh, tu l'as plus. Alors imagine, imagine le jeu vidéo, le nombre de choses qu'on perdrait, tu vois, c'est-à-dire que tu as une œuvre tu, tu, tu y tiens, et bah ben à la moindre mise à jour, tu, 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 tu l'as plus. C'est-à-dire que tu peux plus mettre ton jeu sans connexion internet sur ta bécane pour avoir le jeu de ton enfance. Euh, tu vois, enfin, c'est trop bizarre. Enfin, moi, je ne peux, peux pas cautionner. Quoi. Et alors okay. là, tu, tu parlais en format physique officiel ou même sur internet, les trucs sombres et tout, tu pas trouvé. Euh... Ah oui, non, non, c'est impossible. Okay. Je, on, on a reçu euh, notre, premier, euh, notre premier invité. Euh, c'est Rémateur, un de nos premiers, euh, non, de nos premiers euh, auditeurs. Salut Rémateur, comment ça va Bonsoir, est-ce qu'on m'entend Moi je t'entends. Alors attends, c'est moi, moi qui, vais, euh, qui vais régler ton micro oh, manuellement. Vas-y. C'est bon, nous t'entendons. Euh, alors toi tu fais partie de Dose It Play. Qu'est-ce que c'est Une association, c'est ça Alors, Does It Play, c'est une, euh, une organisation internationale. On n'a pas de d'existence de, juridique à proprement parler. On, on existe sur Internet depuis euh, depuis quelques années, et en fait, on promue un peu le, le jeu vidéo physique et euh, la préservation du média jeu vidéo en général. D'accord. Alors, je vais juste quand vous tapez sur le clavier, mutez-vous, s'il vous plaît, les gars. Euh... Euh... Du, euh, alors, qu est-ce est que tu es d'accord avec ce qui a été euh, dit jusque-là bah, Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, euh, Yannick, euh, jus jusque-là, et même, même aussi euh, Gio, hein, que je salue au passage aussi. Euh, donc, euh, oui, non, je, on en, je pense que l'essentiel a été dit. Après, euh, il faut quand même rappeler une chose, c'est que quand vous achetez physique, vous préservez le droit d'avoir un choix, c'est-à-dire d'acheter chez n'importe quel store, que ce soit votre boutique du coin, votre votre hypermarché, votre supermarché, peu importe, en occasion, en neuf, tout ce que vous voulez, alors que le Dmat ne vous garantit qu'un seul choix d'un store, et donc un seul prix à un instant T. Voilà. Et ça garantit évidemment aussi des emplois derrière, euh, puisqu'il y a des, des salariés qui, qui bossent aussi pour euh, vous vendre vos jeux. Les transporter, les vendre, euh, euh, que ça. Soit en grossiste ou en pour, détails, conseiller, pour conseiller aussi aux parents qui seraient susceptibles d'acheter un jeu trop violent pour mmh. leur enfant, euh, etc., etc., etc. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait. Et d'ailleurs, euh, moi, je pense que le, que le physique, je vais le défendre non pas con concernant l'objet, parce qu'après tout, l'objet euh, en lui-même, bon, c'est une question de, de point de vue. On peut aimer, ne pas aimer, etc. Mais euh, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le physique donne une certaine accessibilité, ne serait-ce qu'aux plus jeunes d'entre euh, nous. Euh, des enfants, euh, je veux dire qu'ils vont dans des magasins, ils voient le jeu arriver, euh, ils ont peut-être leur argent de poche de leur mamie, de leurs parents, euh, de leurs parents de leur, mais ça, monde, ça existe de leur tante. Plus. Mais c'est ça, ça, oui, mais... de moins en moins un rémateur. Moi, je vois mes je... Les enfants dans, dans ma famille, euh, tu vois, pour eux, l'objet physique, quel que soit l'objet, en fait... Euh... Euh, je parle, de, je parle de, de, de culture, alors je sais que Julio n'était pas d'accord avec ça, mais de, de, de culture, que ce soit euh, même les livres, c'est Kindle, euh, tout ce qui est série et tout ça, c'est Netflix, tout ce qui est euh, jeux vidéo, c'est le PSN. Il n'y a, y a pas de. C'est euh, ridicule tu vois ils vont même pas dans les magasins tu vois, genre euh, alors euh, ça ça on, on peut le déplorer mais toujours est-il que le physique laisse la possibilité à n'importe qui d'acheter facilement en magasin avec tout type de paiement ne serait-ce qu'avec du liquide euh, je pense que un, un, un jeune qui a envie de, de je sais pas, de s'acheter un jeu dans un magasin, ce sera beaucoup plus simple pour lui que de l'acheter en physique dans le dans le store ou dans le, euh, dans, enfin dans le magasin qui est à côté de chez lui ou dans l'hypermarché du coin, que euh, de s'enquiquiner avec la carte bleue de ses parents ou d'acheter un code qui lui permet d'avoir euh, du, du porte-monnaie, etc. Donc je pense que ça c'est important et je je pense aussi que c'est important aussi pour les parents, ne serait-ce que d'avoir une visibilité en magasin. On sait que la visibilité en magasin est super importante pour le succès d'un jeu. Regardez dans les magasins combien de, de mètres carrés vous avez sur du Nintendo, du Sony par rapport à du Microsoft. Je pense que Microsoft, ça leur fait un petit peu leur tort aussi, quelque part, de, de ne pas avoir cette présence-là sur le côté physique en magasin. Et Dieu sait pourtant que cette présence, même si elle diminue, elle est quand même encore importante, ne serait-ce que pour l'image de marque, pour le bouche à oreille et pour la visibilité et le succès d'un jeu. Je suis, euh, non mais je suis, je suis totalement d'accord avec ça mais ça me, si je peux faire l'avocat du diable, ça me paraît légèrement un peu sur certains points utopiste, tu vois genre euh, parce que les, les enfants aujourd'hui ils ont leur TikTok, leur bouche à oreille, euh, tu vois, ils vont aller dans un magasin, euh, bah, ils vont voir Joe, ils vont pas l'écouter parce que le, le, le mec sur TikTok leur a dit que, que FF16 était génial. Quoi. Je sais ça, c'est les... alors, ça, alors, ça, 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 plutôt, on va dire, la vision, effectivement, euh, euh, des gens qui ont déjà des réseaux sociaux, etc. Moi, si je te parle, par contre de jeunes enfants qui ont plutôt six euh, 7, 8 ans bon ceux-là n'ont pas forcément TikTok dans les mains et je leur conseille peut-être pas trop à cet âge là mais en tout cas euh, ça mais permettrait ça, ça en ça tout marche. cas avec ouais mais 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 pour le coup là ce serait plutôt leurs parents qui le pourraient effectivement leur dire ah bah t'as vu il y a le jeu là en magasin si tu veux on le prend etc et le fait de, de le voir et de lui offrir à, à ce gamin là un jeu en physique de plutôt que de lui acheter un bout de papier sur lequel est marqué un code euh, c'est quelque part, je dirais, c'est peut-être euh, quelque chose d'important. Il y a encore, je pense, des gens aujourd'hui en 2024 de moins en moins peut-être certes, c'est sûr, mais, euh, mais qui achètent encore les jeux à la jaquette. Alors ah, oui, oui, euh, oui. Oui, oui, certainement, certainement, bien sûr. Certainement, mais euh, j'ai l'impression que c'est quand même de moins en moins en fait, c'est-à-dire que Ah mais totalement, totalement. Et heureusement d'un autre côté hein, parce que ça veut dire que pendant que les gens se renseignent plus sur les jeux qu'ils peuvent acheter, c'est tant mieux bien sûr bien sûr bon, enfin si c'est pour avoir les conseils pourris de chapad de share player voilà je, je, je plaisante je plaisante je plaisante je' dit pour 6 j'ai dit à partir de 8 euh... <laughs> donc euh, non 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 mais ouais c'est super intéressant mais euh, qu'est-ce qu'on qu peut faire Rémateur, là dessus d'après toi qu'est-ce que votre quelle serait la solution Alors, après, je pense qu'on aura Nicolas Perret, euh, euh, qui lui euh, a, a vraiment des propositions juridiques, me semble-t-il, qui viendra nous expliquer tout ça. Mais toi, de ton côté, Rémateur, qu'est-ce qu'on pourrait faire Et si dans le chat, il y a des apôtres du Démat, ça serait bien, pour qu'on puisse. Je sais que là, actuellement, le sondage est très, très déséquilibré, qu'on ait 70-30. Mais si jamais il y a des apôtres du Démat qui veulent débattre avec des arguments, c'est juste pas pour dire. Vous n'êtes pas juste pour dire j'aime le débat, c'est juste pour avec des arguments. N'hésitez pas à, à me contacter et je vous envoie le lien pour participer. Mais donc toi, Rémateur, de ton côté, qu qu'est-ce qu que tu en penses de tout ça enfin de, 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 de Quelles solutions tu pourrais, on pourrait adopter en fait Alors moi, j'ai pas de baguette magique et je ne prétends pas en avoir une, mais ceci étant, on a quand même une opportunité, je veux dire, de s'exprimer en tant que joueur et nous, en tant que testeur. Nous chez deux bon, ça fait très très longtemps qu'on a adopté, enfin depuis le début même, le, les réseaux sociaux. Donc, au même titre que certains utilisent les réseaux sociaux pour parler des jeux et de, de parler avec nous comme ici ce soir, nous on fait la promotion de notre de ce que l'on fait. Donc, on, on parle effectivement des problèmes qu'il y a avec le démat, des problèmes qu'il y a avec certaines versions physiques. Hein. On en a parlé tout à l'heure, mais il y a certaines versions physiques aussi qui qui posent éventuellement aussi des problèmes. Donc nous, ce qu'on dit, c'est voilà quels sont les problèmes euh, voilà euh, les limites que l'on a avec le, le démat donc la fermeture des stores ça on en parle donc moi, je dirais que la solution, c'est vraiment de, de parler de tous ces problèmes-là. Quand il y a une actualité, on rebondit dessus et on en parle. Et euh, quand il y a quelque chose qui se fait en bien, c'est-à-dire qu'il y a une bonne version physique, etc., qui sort, on en parle aussi. On essaye d'en faire dans la, de la promotion. Je rappelle à toute fin utile que nous avons un site que j'ai l'honneur d'avoir eu à euh, développer et que… Et qu'aujourd'hui, euh, on a on a à peu près 600 visites/jour, et c'est pas rien. 600 visites/jour, donc c'est un c'est le site dositplay.org sur lequel on répertorie l'ensemble de nos tests. On a fêté nos 2000 tests il y a pas longtemps, et euh, je vous invite vraiment à regarder notre site. Donc vraiment si on peut euh, voilà amener aussi en plus de la bonne parole le le fait que voilà il y a des gens qui testent des jeux physiques il y a des gens qui amènent leur avis et que ça c'est le fruit d'un travail communautaire je pense que ça peut peut-être aider les gens à se dire tiens effectivement je vais peut-être plutôt acheter du physique pour celui-là parce que ah bah oui euh, j'ai l'opportunité d'avoir euh, effectivement un jeu qui me permet euh, de jouer offline euh, de ne pas dépendre d'un service en ligne on rappelle quand même des choses qui peuvent paraître évidentes mais qui s'oublient au fur et à mesure du temps un bah, site en anglais c'est ça doesitplay point... oui oui, oui c'est en anglais lien, parce que voilà nous, point... nous avons oh, okay, voilà. Bah, oui, Nous avons je... une communauté euh, internationale, donc c'est pour ça que le site est en anglais. J'ai une question, est-ce que vous finissez les jeux que vous testez Bien sûr, <laughs> alors j'invite tout le monde à aller regarder la petite page qui est située sur le site qui s'appelle All Methodology et qui explique un petit peu notre, euh, nos critères que l'on a pour tester les jeux et la façon dont on teste le jeu. On met bien en avant un petit disclaimer en disant qu'on ne peut pas non plus tester 100% de l'intégralité d'un jeu, tous les tous les, les aspects d'un open world, etc. Chaque pixel de l'écran, etc. Pour s'assurer que euh, oui le jeu n'a pas de problème, etc. On essaye de faire du mieux possible. On a euh, des tests qui malgré tout sont faits. On va dire du plus sérieux possible avec des gens dévoués, je veux dire. On a une trentaine de testeurs à peu près au sein de notre équipe qui Bien, hein. vraiment sont, sont passionnés et qui viennent nous faire des retours. Et des fois, certains tests sont complétés par d'autres. Donc, on a des agglomérats de plusieurs avis différents pour un, un même jeu. Donc, par exemple, un JRPG, euh, typiquement, eh ben, vous avez euh, souvent un avis qui est rendu par nous, mais qui est issu de trois ou quatre avis euh, de plusieurs testeurs. Ce qui nous permet de nous assurer quand même qu'on essaye de ne rien oublier. De toute façon, bravo déjà pour votre travail. Et il n'y a pas Merci. de toute façon, dans, dans tous les domaines, c'est toujours les passionnés qui vont le mieux traiter les, bah, les sujets. Et ça ne m'étonne pas que pour la préservation du jeu vidéo et des jeux vidéo physiques, ce soit des passionnés euh, qui font de leur temps libre, parce que j'imagine qu'il n'y a pas de professionnels chez vous. Et il bah, n'y a pas de secret. quoi. Vous avez le temps, vous passez le temps qu'il faut, parce que pour vous, c'est important. Et bravo encore. Et je pense que c'est une Alors... utilité presque publique. Hein, le... Alors, effectivement, nous, on est, on est à notre, enfin, à ma connaissance, on est les seuls. À le faire, en tout cas sur internet, à ce niveau-là. Euh, à titre personnel, j'ai fait trois, euh, quatre tests, mais pas beaucoup plus, parce que moi, je gère la partie technique, à savoir le, le site internet, euh, sa mise en œuvre, son développement, etc. Euh, je gère un tout petit peu le contenu éditorial sur euh, une certaine euh, sur une certaine partie du site pour essayer de le, le mettre en avant au niveau de la forme, etc. Parce que je gère aussi le design du site. Mais euh, mais voilà, sinon, je, je n'écris pas de de tests. C'est pas, pas mon rôle premier, mais je sais qu'on a une communauté vraiment qui nous suit et, et qui nous soutient. Nous avons un Patreon d'ailleurs, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez donner sur Patreon. Voilà. Ok. okay. Bon, coûte... je, je, je rebondis très rapidement une toute petite phrase pour dire que la phrase qui revient en magasin qui consiste à dire Excusez-moi, ce jeu, il y a besoin d'Internet, c'est absolument tous les jours. Alors qu'il y a un petit logo, normalement, qui est présent sur les boîtes pour dire si, oui ou non, le jeu a besoin d'une connexion à Internet obligatoire. Oui, mais obligatoire. Il, est plus, il, est plus, il est de plus en plus petit, hein, ce logo. Et <laughs> effectivement, c'est ce qu'on reproche aussi. Il est de plus en plus petit et pas forcément toujours bien mis en avant. Nous avons testé des jeux, notamment de chez Microsoft, depuis la sortie de la Xbox Series X et nous avons été assez surpris dans le mauvais sens du terme que de voir que effectivement on parlait de Halo mais aussi vous pouvez citer Forza et même Flight Simulator ben il faut absolument une connexion internet pour pouvoir installer le jeu en entier voilà et en sachant que Flight Simulator est sur deux disques euh, sur Xbox Series X et est toujours un complet sur deux disques c'est quand même fort alors Fla Flight Sim pour ce que ça vaut sur le PC il prend 350 gigas. Oui, c'est vrai. vrai. mais, mais bon... Est sur Xbox, il y a plusieurs centaines aussi. Donc, il a 200. Oui, voilà. Comme ça. Bon, pour, pour ce jeu-là, on peut leur donner le bénéfice du doute parce que c'est quand même très lourd. Ouais. C'est très lourd. Bon, après, après, autant encore sur Flight Simulator, je veux peut-être encore leur pardonner le fait qu'il y a des données de Bing Maps, etc. Donc, bon, il y a, y a beaucoup de, de streaming sur Internet qui font que le jeu est quand même un peu plus beau quand on va chercher ces données-là. Par contre, pour Halo et pour Forza, il ne faut quand même pas déconner. Quoi. Ok, bah, écoute, on te remercie Rémateur, c'était très très intéressant. Dose It Play, le, le, le lien est, est dans le chat. Euh, bah, merci en tout cas, c'est un, un très beau projet. J'ai regardé en même temps deux, trois trucs, j'ai tapé quelques jeux. C'est super, euh, super complet, je trouve, ça, je trouve ça très bien. Vraiment bravo, euh, bah, excellente merci initiative. Beaucoup. Bravo. Dose It play euh, point point org. Org. Je vous le remets dans le chat. Voilà, de toute façon, je, la, le chat est rediffusé. Donc... Euh... Euh, voilà. Le chat est rediffusé. Euh, merci Rémateur. à très bientôt. Je te laisse quitter la room. Ciao, ciao. Salut, bonne soirée. Au revoir. Alors qu'on accueille Nicolas Alors, Perret. Je... Qui va... Yannick, j'ai oui. juste une question à poser à Joe. C'est trop bizarre. comme je vois pas la cam, je sais pas si s'il est là. Ouais, euh, quand <laughs> si, 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 quand hein. il te demande, les... j'imagine que c'est surtout des parents qui te demandent si le, le jeu il a non. besoin de se connecter à Internet. Non, c'est tout le monde. C'est des adultes. C'est les adultes. Les adultes. Est-ce que c'est pas aussi le lapsus de dire Internet est payant sur console et en fait ils veulent dire Xbox Gold et PS Plus ou c'est vraiment Internet en Non non non, c'est savoir s'ils si ont besoin de se connecter parce qu'en fait il y a beaucoup de gens. Je le répète, beaucoup de gens n'ont pas Internet. Ça paraît lunaire mais beaucoup de gens n'ont pas Internet. Donc Bien ils sûr. demandent s'il y a besoin d'Internet parce que sinon bah, ils peuvent pas jouer tout simplement. D'où le bide de Ghost Recon Breakpoint et le succès de Ghost Recon Wildlands. Il fallait pas internet pour Wildlands Non. C'était lequel cas le pour premier, Breakpoint, maintenant, le effectivement. Euh, Breakpoint, c'était le deuxième. Breakpoint, je pense qu'il avait d'autres soucis plus importants que la connexion internet à gérer. C'était de la merde. <laughs> oui, c'est vrai que c'était un problème important. mais, mais je t'assure que moi en boutique, j'en aurais vendu un paquet s'il n'y avait pas eu la connexion internet. Mais bon, enfin bref, c'est un autre débat. Okay. Un autre okay. débat. Alors là on accueille Nicolas Perret euh, avec ses chemises bariolées, toujours aussi... Euh, <laughs> la, oui c'est la nouvelle la, ça. Il la, l'a mise exprès pour l'occasion. Ah peux non non, euh, tu je peux... pense qu'il est trop fort le micro. Mmh. Ah. ah tu veux que je baisse que... Euh, Non, pas, pas, pas euh, manuellement, hein, donc dans, sur le micro si tu as peut-être un. Sinon mmh, je te baisse dans l'interface. J'ai tout ce qu'il faut, mais je suis plus c'est. non c'est pas là. Attends, je sais plus où est, est euh, oh, le truc. Moi, je l'entends très fort. Je ne sais pas si vous, c'est pareil. C'est un peu fort. Ouais. Ouais. Euh... Bon. En tout cas, Nicolas, toi, étais là pour parler du juridique. Oui. Enfin, je, je suis là pour parler de l'analyse que j'ai faite, en fait, plus que le juridique. Voilà. Je ne peux pas le baisser plus. En fait, je suis à zéro là. Bon. Dites-nous dans le chat si c'est trop fort. Sinon, je baisse. Euh... Voilà. Et pour bah, ceux qui n'arrêtent pas de dire que le euh, physique est moins cher que le ah. des maths, ce n'est vrai qu'en France c'est une exception. métropolitaine, parce qu'il y avait dans un commentaire tôt, sur Twitter où, bah, du coup, répondu, geek, il a répondu, c'était tagué qui mettait que je crois que c'est en Guadeloupe, les jeux physiques importés sont encore plus chers, enfin, ils sont 20% plus chers que le prix conseillé euh, en France, donc euh, que le voilà. débat. Ouais. Donc, euh, sinon, dans les Japon, États-Unis, c'est tout, euh, tout est euh, indexé. D'ailleurs, souvent, les promotions sont indexées sur le. S'il y a des promos sur les stores, c'est des promos au magasin. Alors Nico, euh, bon, ça va pour le son, c'est parfait. Euh, restez <laughs> tranquille dans le chat, s'il vous plaît. Merci. Euh, Nico, donc du coup, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça bon, Déjà, je vais commencer par dire que je suis dans le même cas que toi, Yannick. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé euh, avec le... le... Le physique, euh, euh, c'était un petit peu ma. Enfin, quand j'étais adolescent, euh, je passais mes vies, ma vie dans les magasins de jeux vidéo à discuter, à, à faire des choses, quoi. Euh, mais aujourd'hui, et surtout depuis que j'ai divorcé, en fait, euh, je suis plus en mode des maths hein, pour plein de raisons. Et. Il y a quelque chose qu'on peut dire, même si c'est malheureux, je peux pas le dire autrement, hein, et je comprends tout à fait, euh, Gio et, et tous les, et tous les, et tous les vendeurs, c'est que, ben, malgré tout, on va dans une direction qui est plus des maths que physique. Et ça va être très compliqué de revenir en arrière. Le problème, bien sûr, c'est que, le problème, c'est que si on analyse tout ce qui existe au niveau des maths, en fait, euh, il y a un gros déséquilibre contre les consommateurs, en faveur des, des éditeurs et des plateformes. Et cette, ce déséquilibre, en gros, si on l'analyse complètement, et c'est ce que j'ai fait en fait, alors bon, c'est pareil, moi j'ai un site web, hein. euh, j'ai un site web et un groupe Facebook, en fait, parce que le, le but du jeu, c'est de pouvoir discuter aussi. Hein. Euh, donc le site web, c'est plérid.eu, euh, c'est EU, parce qu'il faut que ça se fasse au niveau européen. Pour l'instant, c'est écrit en français, euh, parce que ça a commencé, en fait, par une discussion avec... Euh, avec Big Pacman, je ne sais pas si vous connaissez, euh, c'est un, un, un youtubeur belge en fait, et donc ça a, ça a commencé en, dans un live euh, avec lui. Euh, et il y avait, euh, ben là j'ai vu qu'il y avait euh, euh, mon pire cauchemar, il était dans ce live par exemple, qui est dans le chat. Euh, bon, c'est un live de 5 heures, on le retrouve, mais il y a 5 heures de live, donc euh, après vous faites ce que vous voulez. Euh, et donc c'est parti de là où on s'est dit en fait, euh, ben, il, il y a des choses à faire. Puisqu'en fait, si on analyse bien les choses, il y a énormément de problématiques de l'égalité dans tout ce qu'on nous propose. Par exemple, on nous dit euh, euh, les jeunes ne nous appartiennent pas. Bah, pas je ne vois pas en quoi euh, c'est marqué dans le marbre. C'est marqué dans les CGU. Le problème, c'est que les CGU, euh, sont soumis, c'est un contrat hein, en fait entre vous et l'éditeur, mais euh, ces GU sont potentiellement euh, abusives euh, à beaucoup de niveaux. Donc ce qui veut dire qu'elles sont abusives, mais ça veut dire qu'on n'est pas chose. propriétaire des jeux, on est propriétaire d'une licence. Parce que propriétaire non, non, on n'est bien jeu... sûr pas propriétaire du jeu lui-même parce que le jeu, le jeu lui-même appartient, appartient à l'éditeur, donc c'est effectivement une licence. Mais quelles sont les limites à cette licence C'est ce que tu disais Yannick tout à l'heure. Mais les limites, les par, limites par exemple si j'achète Eldivers 2, j'achète une, li une licence d'utilisation. Et si dans oui, 10 ans, pas clair. il coupe le serveur, oui, euh, c'est pas, pas marqué dans, dans ma licence d'utilisation qu'un jour je peux pas ne peux plus utiliser cette licence en fait. Oui, mais le problème, c'est que s'il coupe le serveur, légalement, en France et dans certains pays, comme l'Allemagne et d'autres, il y en a de plus en plus en réalité, légalement, il doit y avoir une conservation du jeu. C'est-à-dire qu'en théorie, il est illégal de couper le serveur dans certains pays. C'est-à-dire que. Ce bah, n'est pas, ambigu... pas, pas, pas au niveau européen, déjà, c'est au niveau. Euh... Pour l'instant, ce n'est pas au niveau européen, je suis bien d'accord. Mais en théorie, il est illégal de couper le serveur au niveau du jeu, en France. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu, si tu coupes le, le serveur, en, en gros, il faut donner les données du serveur euh, à euh, des, des, des organismes. Alors, bon, il y a la BNF, hein, Loi du, euh, euh, loi du, je l'ai marqué tout à l'heure, je ne l'ai plus en tête, loi du je ne sais plus combien, 2 juin, je crois, un truc comme ça, euh, 2006, je ne sais plus, je ne l'ai pas sous la main, mais c'est un truc dans le genre, euh, tous les jeux qui sortent, qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui sortent en France doivent, en théorie, alors bien sûr, pour l'instant, il n'y a pas les moyens. De faire appliquer cette loi-là, hein, donc euh, ça ne veut pas dire que c'est illégal de ne pas le faire, mais, y a, mais donc euh, tous les jeux qui sortent en France doivent être déposés à la BNF oui, obligatoirement, c est, c est obligatoirement. Doivent être conservés par la BNF. La BNF a obligation d'avoir toutes les machines, toutes les solutions techniques euh, pour conserver les jeux, donc y compris les jeux dématérialisés. Euh, il y a eu un, une discussion avec la BNF il y a quelques mois. Qui confirment qu'ils ont l'obligation de conserver aussi les jeux démentalisés Et qui qu sont, ah ouais. euh, qu sont en train de discuter avec certains éditeurs. Ça, je l'avais vu, ouais. sont en train de discuter avec certains éditeurs pour pouvoir le faire. C'est pour ça que c'est facile, attention. Tu es en train de me dire que sur Steam, toutes les daubes, trucs de cul. Euh, oui. Euh, de en théorie. Marchandes. En théorie, la BNF, ils ont les 10 les 000. Oui. En, thé en théorie. En les 15 000 jeux qui sortent par an. En, en en théorie. De la même façon ouais. qu'en théorie, ça c'est une autre loi, tous les jeux qui sortent en France doivent avoir une documentation en français. Pas forcément une localisation en français du jeu, mais une documentation en français. Et la majorité n'ont plus de documentation. Et majorité n'ont plus de documentation. Mais bon, ça c'est... Définez euh, documentation. Tu pensais à une, euh, à une notice d'utilisation ou c'est encore autre chose euh, les, les caractéristiques techniques de l'œuvre euh... Non, c'est ce qu'il y avait dans, à l'époque, parce qu'en fait, euh, à l'époque, ce qu'il faut bien voir, c'est que ça, tout ça a été créé avec les, les connaissances de l'époque, pas avec les connaissances actuelles. Tu vois Donc avant 2006, de, la, de, la même façon ouais. que, de la même façon que tu as la loi sur la copie privée qui t'autorise en théorie à faire une copie de ton jeu de façon à le conserver, pour les mêmes raisons. Cette loi de la copie privée, effectivement, n'est applicable qu'à condition d'avoir un DRM. Alors, il y a une autre loi qui est passée derrière qui autorise, malgré tout, d'avoir un DRM, hein, une protection. Euh... Mais euh, cette loi, elle a été faite à l'époque où on avait les jeux qui étaient euh, euh, sur euh, cassette, même pas sur euh, disquette, même pas sur CD. Ouais. les vieilles cassettes. Les vieilles cassettes. Et que euh, les vieilles cassettes, en fait, euh, ça avait tendance à s'user très vite en réalité. Donc, tout euh, les CD s'usent aussi, hein. même, même les CD, même les CD. Et que cette loi vient du fait que comme tu achètes quelque chose, donc là on tombe dans les parties de loi qui sont liées à la consommation. Hein, comme tu achètes quelque chose, ben ça, malgré tout la chose que tu achètes, donc malgré tout c'est une licence quand même, hein, même sur un CD, mais tu achètes quelque chose tu as le droit de le conserver et potentiellement tu as le droit de pouvoir le recopier pour pouvoir le conserver, à condition que tu l'aies acheté. C'est ça qui est là où est la limite. Voilà. Bien sûr. Euh, et donc en fait, la, la réflexion que j'ai faite sur, le, sur Plyrit, c'est un peu tout ça, pour arriver à démontrer que ben, là-dedans, il y a euh, beaucoup de choses où on vous fait croire que c'est marqué dans le marbre, alors que ce n'est pas marqué dans le marbre, ce sont des CGU. Les CGU comme je disais tout à l'heure, ne sont pas forcément légales. C'est n'est pas parce qu'ils ont décidé que c'était dedans que c'est légal. Mais comme nous, en fait, juridiquement, comme on les achète... Tu signes un contrat. Non, non, mais Bien sûr, mais tu signes un contrat. Mais si ton contrat. Mais si le contrat que tu signes, il n'est pas légal, tu peux dénoncer le contrat. Le problème, c'est qu'on n'est pas juriste, tu vois. Non, non, mais je ne dis pas le contraire. Mais c'est bien pour ça. Moi, la question que j'ai... Alors, est-ce que, euh, je sais que Conquerax en a parlé hein, publiquement, euh, me semble-t-il, hein, qu'il que, qu essaie de préparer des choses. D'un autre côté, euh, moi, je, je vais citer un tweet d'Emma, hein, qui dit que, euh, en fait, pourquoi En fait, avant, la possibilité d'agir sur les jeux n'existait pas, parce qu'il n'y avait pas Internet. Maintenant, le fait qu'on soit en, en lien direct avec les éditeurs via Internet, l'éditeur déploie une mise à jour, on, est même, on, on les subit les mises à jour des fois, parce que des fois, on veut jouer. Mmh. L'autre jour, je voulais jouer à un jeu et puis il y avait euh, 90 gigas téléchargés. Ok, il y avait 15 minutes, j'avais 10 minutes devant moi, c'était mort. Voilà. Donc euh, voilà. Mais euh, en fait, le truc, c'est que Emmar nous explique que, euh, euh, par exemple, les la, la, y, je cite, hein, il est assez vieux pour avoir connu la fermeture des serveurs de Meridian 59, de DAOC, de Ultima Online, les connexions sur Hitman, GT7, et qu'en fait, la majorité de ces jeux, ils ont été remplacés par d'autres jeux. Par exemple, j'ai vu Overwatch 1, ouais. oui, mais maintenant il y a Overwatch, j'essaie je je, 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 de comprendre aussi le, le, le point de vue des éditeurs. Et qu'en fait, euh, maintenir un service technique, euh, un SAV, à euh, des serveurs, ça coûte une fortune. Et je peux aussi comprendre, tu vois, que dans un marché qui est de plus en plus compliqué, quand il y a, par exemple, un, un jeu qui a une suite qui, qui est très proche, bon, je peux comprendre. Mais par exemple, l'exemple de The Crew, je ne sais pas si quelqu'un peut me dire si The Crew 1 et The Crew 2, est-ce est, est que c'est juste une amélioration du premier Ou c'est deux jeux quand même différents et que finalement, il y a peut-être des gens qui préféraient The. Parce que tu vois, je prends l'exemple de Street Fighter. Chaque moi, épisode est complètement est... différent. Pour moi, ils sont différents parce qu'il me semble que le premier The Crew, c'était dans les, les États-Unis avec, ta jeux, avec ouais. The Crew 2, oui, c'est complètement les... différent. Ouais. Avec plein de modes de transport. Donc, donc, si euh, pas... donc voilà, donc, là, ce que, là, ce que dit Emma, je le comprends, mais je peux aussi comprendre les gens qui disent bah, les jeux, c'est quand même des jeux différents. C'est pas parce qu'il y a grand tourisme. Tu vois, je prends, je prends un exemple, j'ai toujours préféré Street 4 à Street 5. Si demain on me dit euh, bah, Street 4, tu n'y joues plus et tu joues que à Street 5. Euh, imagine pas très... Non mais moi je veux jouer à celui-là. Je veux jouer à celui-là en fait. Euh, tu vois euh, c'est Toi tu parles des jeux solo, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est pas Non, un jeu pas solo, un jeu street. il parle de là, de là il parle de, euh, de street, je parle d'un jeu multi ça, jeu y multi. Il y, aura, y, aura y aura des serveurs, la preuve regardez tout tout ce qui est Nintendo, les, les gens ils jouent sur des serveurs perso. Pourtant officiellement mais Nintendo oui. en a pas. Bah, via PC. Oui mais là non, là euh, Thibaut, là à chaque fois tu nous ressors des trucs de, de Mais euh, tout ce qui est PC, le... tout ça c'est mais oui, mais on sait que tu vois l'émulation nous permet. Oui, mais de ça c'est ça c'est du hack, ça c'est autre chose. C'est du hack. Moi, et Moi, si je n'ai pas de PC, je parle voilà, de l'égalité. Moi, moi j'aimerais pouvoir continuer de... à jouer à Street Fighter 4 sur ma PlayStation euh, sans être tributaire d'un coup d'une un, fermeture de service. C'est ça. Ok. Je, bah je, alors, tu, coup, tu joues comment à Street Fighter 2 en ligne sur ta Super Nintendo Tu ne pouvais pas à l'époque ah parce qu'il n'y avait pas de jeux en ligne. Mais tout ça, donc, je ne voilà. demande pas de jeux en ligne. Mais toujours, mais y jouer en local avec mes potes. Oui, mais Street Fighter 4, tu pourras aussi dans 30 ans jouer en local. Mais le, le, c'est un jeu qui est fondamental. Je crois c'était un jeu en ligne, c'est pour ça. Oui, mais alors, je, je, te, je te donne des trucs ils ont sorti des versions de Street Fighter 2 pour jouer en ligne avec tout le monde. Donc, euh, c'est bien qu'il y ait une demande. Parce que sur la 30th Anniversary Collection, ouais, Street, ouais, Fighter II... Street Fighter 2 est suffisamment suivi et la niche de joueurs euh, de Versus Fighting est suffisamment grosse pour qu'ils ne vont pas arrêter les serveurs comme ça. Si arrêtent les serveurs de Street Fighter 2, c'est qu'ils vont faire Street Fighter 40e anniversaire avec plein de jeux en un, Ouais, non, mais mais moi je te prends je te prends un exemple tu vois qui est, qui est concret. Si demain euh, si vraiment, demain demain il, y a, il ferme les serveurs de Street Fighter 4. J'ai j'ai pas d'option pas pour y jouer sans passer par des magouilles de PC. Tu vois. Je sais qu'il y en a ouais. des magouilles de PC et j'aimerais pouvoir continuer à jouer à mes jeux en ligne euh, tranquillement parce que euh, quand j'ai quand j'ai signé la, les conditions d'utilisation, on m'a pas dit attention ou, ou alors je l'ai pas je l'ai pas vu euh, et peut-être que ça y est mais je, comme dit Nicolas a priori ça serait pas légal ça ça, ça dépasse mon champ de compétences par contre moi je, on m'a pas dit tiens un jour ce jeu tu peux plus y jouer là j'étais Sport The Crew euh, et apparemment Ubisoft a tout fait pour empêcher les serveurs perso pour The Crew c'est quand même euh, ça, alors ça, ça c'est pas, pas normal tu vois parce que si tu dis ça coûte trop cher, mais on vous donne les clés pour le faire de votre côté, c'est faire, tu vois. En mode... je, je sais pas, moi c'est un message du chat, je n'ai euh, pas l'info. Après, on ne euh, sait pas la vraie volonté, en fait. On ne sait pas pourquoi si ils l'ont fait. C'est pas forcément pour empêcher les, pour empêcher les serveurs. Il y a peut-être d'autres raisons, il y a peut-être peut de l'ignorance. Peut-être peut que, peut un que c'est une question de sécurité pour, aussi de donner accès à des serveurs. Voilà, c'est euh... ça. Mais alors après, après, quand je, quand je dis c'est illégal. Y a, tu sais, il y a la loi il y a l'application de la loi. Ce n'est pas parce sûr. que c'est illégal qu'on peut appliquer. Euh, ce qui se passe, c'est que de toute façon, euh, dans tous les cas, à un moment donné, tout ça, ça va péter, dans le sens, euh, dans le sens des consommateurs. Pourquoi Parce que premièrement, il euh, y, y a tout un tas de lois qui vont dans ce sens-là. Il y a, y a la nouvelle… Euh, je ne sais, sais pas si vous avez suivi, il euh, y a la, euh, le DSA qui est sorti dernièrement, qui normalement est, est beaucoup plus orienté pour les gafam etc pour essayer de les réguler, mais euh, ce DSA il s'applique potentiellement à plusieurs niveaux au niveau des jeux vidéo, c'est-à-dire qu'il il y a euh, des aspects au niveau du DSA qui sont liés euh, au, cons euh, au consommateurs et euh, il y a d'autres aspects du DSA qui sont liés au niveau des stores, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un tout à l'heure qui disait que euh, il y a euh, si on veut acheter des jeux sur euh, PS sur Sony euh, sur euh, PS5 ou sur Xbox, on peut les acheter que sur Sony ou sur. Euh, eh ben, je vous dis que ce pas forcément non plus écrit dans le marbre. Vous, vous voyez ce qui se passe avec euh, Apple, qui est en train de euh, faire des choses euh, là-dessus, enfin, qui est en train de souffrir qui sont, et de se qui battre. sont, qui euh, contre qui sont Là, ils, ils, sont même euh, de, ils sont obligés d'autoriser les émulateurs à nouveau, etc. Donc euh... exactement. Et, moi, et je ne serais pas sens. étonné. Et je... Mais non, bien sûr. Mais je te donne des éléments. Je donne des éléments, d'accord. Le débat souffre et... du monopole à chaque fois du store du constructeur. Et ça, ce n'est pas normal que ce soit le voilà. seul endroit où tu puisses l'acheter. Ça, je, je ça. Et, et donc ça, je ne serais pas étonné que Sony, Xbox et même Nintendo, à un moment donné, soient obligés d'avoir des stores alternatifs. Euh, de façon à avoir une, un, un système de concurrence au, au niveau de ces stores-là et avoir. Euh, Alors ça, euh, moi un je, droit je, de je je connais quelqu'un qui est ex, qui, qui est un des plus grands spécialistes sur les questions du sujet des stores alternatifs, euh, notamment bah, pour Apple et tout. Évidemment, je lui ai posé la question, il m'a dit que le la, pour l'instant c'était c'était envisageable mais pas très probable dans un dans un tout simple ah Non non, je n'ai pas que... dit tout. Ah non mais attention, c'est pas tout de suite, mais ça va. En venir. Fait, c'est pas, pas certain 100%. C'est pas certain 100% mmh. parce que ce que les commissions aussi euh, jugent, c'est le nombre d'utilisateurs et, euh, et le fait que de, des fois, si, si il y a un business modèle. Modèle, le ouais. business model repose uniquement dessus et que tu l'éclates, tu, tu mets en danger euh, la plateforme en fait. Alors qu'Apple, tu ne mets pas en danger l'entreprise ni la plateforme parce que de toute façon, euh, c'est trop puissant, etc. Par contre, sur. sur euh, c'est un peu différent. C'est un peu plus complexe que ça, mais par contre, il y a une possibilité oui, que. Des... Qu des... En tout cas, il y a une possibilité. À terme, que je que ça parle, arrive. il est possible que ça arrive dans quelques années. Hein. Ce n'est pas forcément ouais. effectivement, tout de suite, mais il est possible que ça arrive dans quelques années. Est... De la ouais. même façon, j'ai fait une petite étude qui, qui peut intéresser certains. Parce que, bon, attention, moi, je n'ai rien contre le démat. J'essaye juste de trouver des solutions. Euh, contre le physique, pardon. J'essaye juste de trouver des solutions qui correspondent à, à, au pendant et aux excuses qu'on a sur le débat. Et une des excuses, c'est euh, euh, c'est euh, le fait de revendre en fait, hein, le fait de pouvoir avoir des jeux d'occasion. Et en fait, j'ai fait l'étude. Euh, alors. Euh, je dis, pas... Alors là, pour le coup, ce pas une étude juridique, hein, c'est plus une étude. Alors, je ne suis pas juriste, attention, hein, moi, je suis ingénieur informatique. Hein. C'est juste que mon métier, c'est de trouver des solutions, euh, de façon générale. c'est pas la première fois que je fais ça. Euh, genre, on en parle après, si vous voulez. Euh, donc, j'ai fait l'étude. Et en fait, si vous regardez l'étude, vous allez vous apercevoir que c'est à l'avantage des plateformes et à l'avantage des éditeurs de faire des jeux d'occasion. Le... Alors, pourquoi parce qu'en fait, euh, tout le monde ne peut pas acheter des jeux pour une raison de, de coût. D'accord Bien sûr. Euh, et même, même avec des promotions. D'accord Et c'est de toute façon toujours à l'avantage des éditeurs que les jeux soient joués par le plus de personnes possible. Pourquoi Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu ne peux pas acheter le jeu, mais s'il y a une suite, peut-être que demain, tu pourras acheter le jeu. Par juste. exemple. Et si tu as fait le premier, tu peux, tu, peux faire, tu peux faire le deuxième demain et l'acheter au prix fort. Quelqu'un, par exemple, euh... qui se dirait, je ne sais pas si je, veux, si je vais aimer la Yakuza, il va aller dans un bac à solde, il va trouver un Yakuza 0 voilà. ou un Yakuza à 10, à 10 balles, il va adorer, va, il va, il va, il va peut-être acheter le deuxième. C'est aussi une question de sécurité de se dire, je ne vais pas mettre 80 balles dans un truc, euh, ou même 40 en promo. Euh. Euh, Gio peut peut-être nous, nous, nous bon, euh, Oui, nous je relancer. suis là. Voilà, <laughs> euh, par rapport à ce que dit Nicolas, c'est sûr que a, euh, dans les magasins, l'occasion marchait bien. Oui, alors moi, j'ai une, so une solution pour ça. Euh, le jour où l'État veut m'écouter et que je deviens président du monde, pas de problème. Euh, Ministre de la culture suffira, en du droit fait, droit. En fait, Effectivement, effectivement, euh, on peut, comme tu l'as dit, euh, Nicolas, on peut faire une étude un petit peu soi-même et se dire qu'effectivement, le développeur, l'éditeur est gagnant, mais c'est pas quantifiable. Pour moi, il y a une solution à ça. C'est qu'il faut savoir qu'en en fait, au niveau de la TVA, quand je vends un jeu neuf 80 euros, je paye 20% de TVA. Donc, je paye 16 euros de TVA. Quelqu'un vient me le revendre 40 euros, je le revends 60, je fais, 20 pour, je fais 20 euros de marge, je le repaye 20% sur ces 20 euros, etc., etc., etc. Donc, potentiellement, pour un jeu qui serait revenu 1000 fois dans la boutique, il est possible que l'État touche euh, 100 fois le prix du jeu, euh, rien qu'en TVA. Euh, pour moi, ah, la chose. Parce qui... que, attends, une petite question. Euh, quand, tu, oui. quand, tu re, quand, tu, quand tu revends un jeu, par exemple, demain, je vais dans ta boutique, j'achète Spider-Man PS4 à 30 euros. Tu vas mm -hmm. reverser euh, sur les 30 euros, tu oui. vas reverser 20% oui. de TVA. 20% oui. sur la marge que je fais. Pas 20% sur les 30 euros, 20% sur la marge. 20% sur. Ah, ok, d'accord. C'est sur la marge pour les produits d'occasion. Mm -hmm. Tout à fait. Mm -hmm. D'accord, que les gens le font beaucoup aussi par le bon coin ou en personne ou quoi, donc il, oui. Il, oui il, non, il mais, pas, bien euh... sûr. Mais lui, elle a, oui, bien lui, sûr. Lui. Mais là, là où je veux en venir, c'est qu'il y a une solution qui pour moi est assez, est assez simple et assez honnête, je trouve. C'est que ces 20 de TVA pourraient servir de levier pour moi. On pourrait passer par exemple à 10 de TVA et 10 qui irait à un fonds d'aide pour les développeurs. Où là effectivement où les développeurs auraient intérêt à ce qui est un intérêt pour le coup palpable ça serait pas des études en l'air comme ça où on pourrait dire bon bah la vente de jeux d'occasion a permis de financer tel 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 jeu etc pour moi ça c'est quelque chose qui, qui est important de mettre en place parce que parce qu'en fait il faut il faut ouais, motiver les éditeurs à continuer dans le sens là et ça ça motiverait les éditeurs alors... à continuer dans le physique alors il y, 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 y a deux trois points. Premièrement, il y a une grosse différence entre les développeurs, les éditeurs et les euh, oui certes et, et les studios. Hein, C'est pas la même chose. Euh, L'argent souvent va aux éditeurs et très peu aux développeurs, comme tu dis. Oui, les euh... développeurs, ils sont payés pour développer le jeu. Après, il y a, a peut-être oui, oui. une clause. Si, vous, si, vous gâcie, si le jeu dépasse 100 millions, vous touchez un bonus. Mais après, euh, souvent, maje... euh, souvent c'est si tu as les trois derniers jeux qui ont fait plus de 100 millions, tu touches, voilà. tu ouais. touches des royalties. Toi, pas voilà. forcément... Mais sinon, euh, sinon la, maje la majeure partie du temps, c'est on t'embauche pour 3 euh, ans à x milliers d'euros par mois, <laughs> et puis c'est tout. Et, donc, euh, ouais. et puis. Et <laughs> <Il> débrouille-toi. <laughs> pour... Mais alors, donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, je n'ai pas fini mon, mon explication. Le, le, le truc, c'est que. Actuellement, c'est toi, Gio, euh, qui, qui, qui revend les jeux d'occasion. Mmh. Euh, L'idée, c'était justement que ce soit les plateformes qui revendent les jeux d'occasion, puisqu'en fait, le, la seule solution pour le faire au niveau des dématérialisé, c'est de le faire au niveau des plateformes. C'est normal, puisque c'est eux qui gèrent les droits, les licences. d'accord Et on revend la licence elle-même, en fait. Hein C'est-à-dire, tu dis, je mets ma licence en vente et je la, et je la récupère. Ce qui se passe, c'est que ce nom, enfin, je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est que du coup, ça permet euh, aux... Euh, d'avoir des, des, des jeux plus à, à plus bas prix pour ceux qui veulent malgré tout y jouer mais ça permet aussi de contrôler ce nombre de, de parce qu'en fait chaque fois que tu vends la licence il y a un nombre défini de licences qui acheté c'est pas euh, d'accord et tout le bénéfice que toi tu fais Gio en réalité c'est les plateformes qui le feraient à une à une et donc du coup c'est avantage pour eux et c'est avantage pour les éditeurs puisque actuellement les éditeurs ne touchent rien donc dans tous les cas c'est leur avantage Okay alors, à une nuance près, c'est que du coup, Jio ne gagne plus rien. Attends, mais là, tu parles euh, du jeu physique ou des maths Non, je te parle d'un système, de, de, système de, de revente des maths, pas physique. Ah oui, bah, oui. Non, mais alors ça... ah oui, mais là, ce n'est plus mon business, là, par contre. Là, plus... Non, mais si j'y ai viens, si, 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 si <laughs> parce que j'y viens, j'y ai pensé. Nicolas, non, mais j'y viens, j'y viens, j'y viens, laisse-moi laisse laisse finir mon, mon explication. Donc, jusqu'à présent, dans ce que je dis, il n'y a aucun intérêt pour toi, je suis d'accord avec toi. Par contre, ce que j'ai pensé, c'est que en réalité, on peut très bien imaginer que ce, ce, ce système, en réalité, de, de revente, puisse être euh, dématérialisé. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est une licence. Donc, euh, aujourd'hui, si vous prenez un CD sur lequel il n'y a en fait que euh, de quoi downloader, le en fait, votre CD il ne sert que de clé, en fait, de la licence. Bien sûr, bien sûr. Il a plus rien. Il n'y a rien d'autre que ça dessus. Donc, on peut très bien faire la même chose, en fait. On peut très bien générer une sorte de QR code ou je sais pas quoi. Mais non, mais que... tôt, tout simplement, euh, dans ton menu du jeu, euh, céder la licence, tu, tu, tu mets la, 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 ou l'adresse oui. email ou le, le nom du... Parce que vu que c'est la même plateforme, je mets l'ID PSN de Thibault. Voulez-vous céder cette licence pour euh, X, euh, un prix qui serait fixé par, euh, par euh, peut-être par la plateforme C'est ça euh... le problème, Yannick. Si demain, imaginons, tu as acheté... Euh... Dragons Dogma 2 sur ta play, il est à quatre balles sur le store. Tu veux tu me dis je te le vends, machin. J'ai quel est intérêt pour les éditeurs que moi j'achète le jeu en l'intérêt, c'est qu'il y en a en un débat. nombre limité. Il y en a un nombre limité, donc c'est seulement pour ceux qui n'ont pas l'argent pour le faire, et le nombre est limité, donc ils contrôlent l'intégralité du truc et de toute façon ils gagnent un peu d'argent dessus. Au passage, il gagne un peu d'argent qu'il n'aurait pas, pas gagné du, gagné du tout. Oui, Peut-être que tu fais qu'au bout de six mois, en fait. Tu vois, au bout de six oui. mois, tu fais ça. Oui, oui. En plus, tu ah, peux oui. gérer ça oui. au bout d'un certain temps, etc. Tu, vois, tu, bon. tu, tu verrouilles ça pendant six mois et, et, et le et prix est imposé. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que tu peux générer en fait un QR code ou euh, un, un, une puce NFC ou un truc dans le genre. Donc, en fait, on retombe sur un peu l'idée des animaux et coller ça sur un objet de collection, par exemple. Et c'est ton objet de collection que, que J.O. peut revendre au prix qu'il veut, qui inclut la licence. Hein, D'accord Donc il a, euh, il, a, il a en fait un, un, potentiellement un double bénéfice dessus. Et euh, quand tu récupères le, le code, et ben tu le re rentres et tu, tu récupères la licence. Et en plus, tu as l'objet de collection physique. Sympa. Et donc, NFT, du coup, là. Euh... Oui, oui, ça, 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 ça peut être un NFT. Non, pas un NFT, un FC. Un FC, pas un NFT. L NFT, c'est encore les, autre chose. Et mais les NFT, à la, base, à la base, c'était un peu ça la promesse dans le jeu vidéo, c'était de dire voilà, on pourra tracer les. les ouais, les, mais les, le, le, le seul. Au final, ils n'ont jamais fait comme ça, donc euh, c'est triste. Oui, hein. mais ce n'est pas, pas le problème. En fait, le seul intérêt d'un NFT dans un cadre comme ça, c'est d'avoir un système complètement universel qui ne dépend pas des plateformes. Là, ah, le problème, de, gens... que de toute façon, les plateformes, de toute façon, gèrent leurs licences, de toute façon. Donc les, les, NF, les NFT ne servent à rien dans, ce, dans un cadre comme ça. Il y a Nicolas qui demande, un autre Nicolas qui demande euh, s'il distribue un nombre infini de licences dématérialisées. Pourquoi il se limiterait le nombre de licences dématérialisées Il ne comprend pas. Mais oui, en fait, avez... ils, ils, ont, Alors, ils ont un je... système. Ils ont un système de gestion. Ils tu ne, tu ne peuvent vendre que le nombre de licences qu'ils ont acheté. C'est ça. Je vais, je vais sortir une anecdote qui généralement les gens, euh, les gens ne sont pas au courant de ça. Euh, quand vous achetez un jeu Switch, souvent là les jeux Switch maintenant c'est un peu la mode. Il y a les jeux les jeux euh, Kiab, donc les codes in a box, donc les jeux où il y a juste un code dedans. Mm -hmm. Sachez que quand vous allez à la FNAC acheter un jeu comme ça, c'est tout à fait possible que vous arriviez chez vous, que vous entriez le code et que vous n'ayez pas le jeu. <laughs> Parce que si l'éditeur n'a pas assez de licence, <laughs> et ben vous n'avez pas le jeu. Et c'est arrivé non, plusieurs là, fois dans mon magasin. Des... Là, il faut rajouter des sécurités par-dessus. Mais... mais bon, c'est vraiment... C'est le pire de tout, là, ce que tu te dis. C'est encore pire que le jeu des maths. Plus oui, oui, c'est encore pire. Il y a les défauts des deux trucs. Ah oui, oui là c'est terrible, effectivement. Là c'est du vol. Et y a, quel, quel est la, 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 le recours face à ça Ah mais il n'y en a pas. Moi, le, le client le, est le, arrivé. Le... J'ai appelé euh, la société BIP. Naturellement, je ne vais pas la, noter, pas la noter. Ils ont dit, ah ben euh, non, non, l'éditeur, j'ai appelé l'éditeur, okay, pas le grossiste. Et, euh, euh, et ben, euh, voilà, quoi il m'a dit, bah oui, désolé, nous on n'a plus de licence, on ne sait pas quand est-ce qu'on va être appris. Après, 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 approvisionner. On, on, ma, on marche sur la. Terre. Non mais c'est aussi voilà, une base là, de données. Hein. Les attends. licences sont générées euh, dans les sites des développeurs. Tu génères. En fait, tu achètes. En réalité, c'est pas tu génères. C'est que l'éditeur, il achète à Sony un certain nombre de licences. Pourquoi Parce qu'il paye des royalties dessus. Donc, c'est pas automatique. Vous voyez ce que je veux dire Bien sûr, non, mais oui. C'est vu comme ça, c'est logique. Mais 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 là, enfin, euh, c'est scandaleux, quoi. Parce qu'en c'est ah même, oui, même pas. Comme ça doit être des épiphénomènes, c'est donnez nous les coordonnées de la personne et on lui envoie un code dès qu'on en a un. Mais, genre, même pas, ils ont proposé ça. Mais, donc, ah bah, pour y ces ont proposé là, la DCCCRF, on euh, n'arrive pas le dire. Oui, oui, oui. On les y arrive. pas. pas <laughs> Moi, j'ai travaillé, travaillé avec eux, donc euh, je connais bien. Donc, et, et en fait, pour la fraude, pour la pas fraude reste... alimentaire. Euh, pas pour, le jeu vidéo. pour la fraude alimentaire, mais pour le jeu vidéo, ça va, ça va venir. Et d'ailleurs, c'est ce que dit euh, ce que dit Conquerac, hein. c'est-à-dire que lui, apparemment, on y... alors je n'ai pas encore eu le temps de discuter avec lui, mais euh, là, avec le juriste, apparemment, ils sont partis sur cet aspect-là qui, qui est tout à fait euh, valide, euh, de dénoncer, de, euh, de, de, de... c'est-à-dire qu'en fait, contacter euh, Conquerac sur l'email qu'il a donné. Et donné, enfin, euh, si vous avez acheté The Crew par exemple et que vous êtes, euh, on vous l'a volé, en gros, euh, ben vous pouvez euh, contacter. Si moi, c'est Ubisoft qui me l'a offert. Euh, alors c'est marrant parce que je m'étais toujours dit un jour je lancerai le jeu euh, parce que j'avais acheté l'édition collector d'Assassin's Creed Unity euh, et du coup euh, c'était tellement cassé que pour ceux qui avaient le, qui avaient l'édition normale ils offraient les DLC et pour ceux qui avaient l'édition collector ils offraient un jeu Ubisoft. Et moi j'avais pris The Crew. Euh, et du coup, je l'ai jamais lancé. Euh, donc là, bon, bah, je, peux, je peux quand même. Enfin, moi, si c'est si mais... une clé, si c'est une clé, fais attention parce que les clés dans la clé, on sait si tu l'as <laughs> acheté ou si ça a été offert. Mais peu importe. Bah, si j'ai envie d'y jouer, on m'a offert un truc, euh, une compensation ouais. pour un truc. Donc, euh, ah, ça a, dépend. Si euh, c'est une compensation ou si c'est un truc de presse C'est une compensation par rapport à. Non, non, non. C'était pas un truc de presse. C'était euh... une compensation. C'est un Compensation, c'est une compensation. C'était une, une, une compensation par rapport à l'état du jeu euh, à sa sortie. Donc. Euh... Ils sont allés parce lui payer un, un, un road trip aux États-Unis. Et... Il faut savoir paye. que les clés de presse ont des clés particulières dans le sens où elles ne sont pas payées. Elles non. sont gratuites. Non, mais elles ne sont, sont paye, pas payées pas par, par vous. Non, non, elles ne sont pas payées non plus par les éditeurs. Oui. Je par', le, par éditeur. préciser parce qu'il y a un moment, il y a eu un business là-dessus. Par l'éditeur. L'éditeur, l'éditeur. oui, oui il y a, il y a exactement. Euh, l'éditeur ne paye pas les clés de presse. Ça fait partie du. Quand tu sors un jeu, c'est un peu un cadeau que fait le. Et donc, en fait, ça, ça permet de distribuer des jeux sans que ça coûte à l'éditeur ou au développeur. Et c'est pareil ouais. sur Steam. C'est pour le débat, ça que tous les arguments des, des, des rageux qui disent euh, vous êtes youtubeur, vous avez, vous avez des avantages, machin, c'est des arguments complètement bidons parce que les clés de presse ne sont pas payées. Ce pas un avantage, ça fait partie... Ah de, non, si, dans ce du... sens-là, si. Ils, ils ont un budget marketing et c'est déduit de ce budget marketing. Non, 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 c'est pas, ça, ils sont pas payés. Il y en a un certain nombre limité. Après, s'ils en veulent plus, oui, il faut qu'ils les payent. Ah, a, oui, il y en a, a, a peut-être un certain fais, nombre qui je sont fermes, mais... Je pense que, ah, vu voilà, le nombre de, de croissants de clés distribuées, je pense qu'il y en a qui sont payés. Mais quoi qu'il arrive, quand les gens disent... Enfin, moi, je veux répondre à ça. Euh... Alors, alors, euh, David, toi, as un... je t'ai découvert ta chaîne sur ton test de The Crew, Yannick, il y a des années. C'était le test de la bêta de <laughs> C'était pas le test du jeu, voilà. Mais euh, bien joué, ça, ça prouve que tu es un vrai. Euh, non, cool. non, mais par contre, pour répondre à ça, moi, à chaque fois qu'un éditeur m'envoie un jeu, je sais qu'il y en a, par exemple, qui joue une heure, une demi-heure, voire qui joue pas du tout. Chacun fait comme il veut. Moi, je m'engage à jouer un... à le finir si c'est possible. Il y a des jeux que j'arrive pas à finir parce que. Le jeu, euh, parce que j'ai pas le temps, parce que euh, j'ai un travail à côté, parce que le jeu a des problèmes, parce que euh, le jeu devient inintéressant, etc. Donc il y a toujours une mise en contexte et quoi qu'il arrive, par exemple Dragon's Dogma, au moment où j'ai fait le test, j'étais déjà à 40 heures de jeu, donc euh, c'est quand même 40 heures que je prends sur mon temps libre. Donc euh, et après je fais du contenu avec euh, que vous payez ah, pas. Tu, donc, tu euh... justifies pas et dit qu'à partir du moment où tu es non non mais, mais, mais vidéo, pas. c'est suffisant. justifier. Tu donner ton avis au bout de 10 heures, non, de, non, jeu, mais... 10 heures de jeu que tu utilises de jeu les gens vont savoir que c'est avec 10 heures de jeu il n'y a pas de souci. Non et non bien sûr mais je peux je paye pas parce que je je voilà on parlait de ça c'est pas non plus enfin je sais que peut-être certains abusent un petit peu de la gentillesse des, de certains éditeurs et font pas de test et tout nous moi je sais que quand je demande un jeu c'est que je sais que je vais y jouer. Et je sais qu'il y a des jeux un peu niche comme Matrix ben, détective Il y avait Ghost trick Detective, et quasiment personne qui a fait le test, quoi. Mais, euh, mais je me, vais, bon, je ne pas, pas infliger parce que c'est un excellent jeu, quoi, tu vois. Mais euh, mais voilà. Mais euh, alors, Emard, donc pour te répondre, Nico, dans son trade, d'excellent trade qu'il a fait il y a, il y a quelques jours, il y a trois jours, euh, lui, lui, il aimerait en tout cas euh, qu'il y a un encadrement dans le cas de fermeture de service. Le contrat existe déjà entre le joueur et le fournisseur, mais donner par exemple la possibilité de faire intervenir une commission de contrôle si une demande suffisante en termes de clients qui se manifesterait et vérifier les motivations de la compagnie. Je peux vous promettre que si on ouvre, que quand on ouvrira en privé certains livres de compte, il n'y aura aucun doute sur la légitimité de la, de la majorité de ces fermetures. Moi ça j'en ai aucun doute. Non mais il a, il, a, là... il a raison. Il a raison. Voilà et après évidemment une commission va et je te parle va va de légal être... moi, je te parle de légal, je te le parle Oui mais alors chose. moi 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 là tu vois moi je, je, peux, je, peux, je, peux, je, peux, je peux évidemment comprendre la position des enfin la position c'est pas une position et emma, il donne du factuel en fait, il donne du factuel, oui. c'est pas il prend pas parti, on sait qu'emma, c'est un joueur, il achète beaucoup de jeux, enfin on, on le voit dans mes émissions celle de Gags ou celle de Midi là les... bah, il... Il préfère des le physique, mais il y a des fois, il a des jeux, notamment des JRPG, où il dit qu'il a essayé de les acheter en physique, ils n'étaient pas disponibles Ouais, et pas. Puis après, mais je pense qu'il n'y a pas de. Il y a, pour moi, je suis d'accord qu'actuellement, vu l'état du physique, il n'y a pas vraiment d'avantage, en fait, mais euh, j'en ai déjà parlé en début d'émission. Par contre, voilà, le, le truc, c'est qu'on va se retrouver dans le cas où tu auras une commission qui va se dire pourquoi vous avez fermé tel, 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 tel serveur Regardez nos livres de compte. Ok, d'un point de vue comptable, c'est compréhensif. Par contre, du coup. Euh, Est-ce que on va. C'est -ce, est derrière. Est-ce que malgré tout, c'est oui, mais c'est pas notre problème. Vous avez, vous avez des licences. Dans ces cas-là, vous remboursez ces licences. Ben, enfin, c'est impossible. Euh, ce qu'il faudrait, c'est donner une sorte d'open source des serveurs pour que les gens voilà, de leur non, côté de de fassent. Toi, tu, tu leur dis nous, on le suit plus, mais on vous donne les clés pour le faire de votre côté. Mais il y a certaines choses. Par exemple, dans, ba dans Battlefield, tu pouvais louer des serveurs à une époque. Alors oui. attention. Euh s'il y a, on parle de légal attention, hein. c'est-à-dire que s'il y avait en fait des, des, des solutions techniques qui n'existent pas encore aujourd'hui correctement, c'est un peu le souci pour arriver à avoir tous ces jeux dématérialisés. Alors je parle surtout des jeux dématérialisés online. C'est là que c'est compliqué en fait. Hein. Les jeux dématérialisés qui sont pas online, il euh, y a des solutions techniques. Mais s'il y avait des solutions euh, techniques, il faudrait que ces solutions techniques respectent les licences. C'est-à-dire que si tu as acheté le jeu, tu as le droit de jouer au jeu. Ça, oui, c'est oui. légal aussi. Donc, ce n'est pas parce que euh, euh, ces jeux euh, s'arrêtent, en réalité, que tu as encore le droit d'y jouer. Enfin, que tout le monde a le droit d'y jouer, même si ce n'est plus géré euh, par l'éditeur originel. Donc, ça fait partie de la problématique de, euh, de, la, de cette conservation-là. Euh, voilà. Il euh, y en a qui demandent le site. Ah oui, voilà, oui, oui. ça. Oui, oui. Ouais. Je l'ai mis, non, non, mais euh, moi, moi, ce qui m'intéresse ce beaucoup, c'est. Par exemple, je vais te poser la question, aujourd'hui, est-ce que c'est légal, en fait, d'interdire les gens de jouer à The Crew, en fait Non. C'est illégal. C'est illégal parce que tu as acheté le jeu. Non, mais dans, non, là, 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 ce qui est illégal, c'est de, au niveau euh, produit, au niveau euh, n'importe quel produit que tu achètes, d'accord pas que les jeux vidéo, n'importe quoi. Si tu as acheté quelque chose, tu as acheté une licence. Tu T'as pas acheté un jeu, tu as acheté une licence d'un jeu. Ouais, bon, on a Et cette licence, jeu. Mais cette licence. Cette licence d'un jeu t'appartient. Mise à mais part. Est-ce qu'il y, est si y, est qu y a une durée Est-ce qu'il y a dans, dans les comptes bah, -ce Si c'est écrit dans le, si c'est si écrit dans le CGU, qu'il y a une durée, est-ce Ce que c'est est-ce que c'est -ce qu est -ce est écrit C'est dans mes documents, rien tout ça. L'analyse, elle est faite aussi dans mes documents. Euh, mais, mais si, je te demande la si, question là pour pas je, que je, je, te te réponds, je te réponds. Je, je, te réponds ah ouais. je te réponds. En fait, si euh, tu n'as si pas de durée, en théorie, c'est infini. Si tu as une durée, ce n'est pas un achat qui t'appartient, c'est une location. Ok. Et c'est un contrat. Mais il, faut il, location. Faut que, il faut que, il faut, mais mais il faut exemple, que ça apparaisse. Mais par exemple, si la location. Il faut que ça apparaisse. Mais, et, et si ça. Alors, deux cas de figure. Et si ça apparaît qu'on me dit, euh, même trois cas de figure. Premier cas de figure, euh, vous avez le droit d'exploiter de, cette licence, parce que c'est ça, c'est un droit d'exploitation de licence. Euh, non, mm -hmm. un droit d'utilisation de, oui, droit droit de licence. Vous avez le droit d'utiliser cette licence sur 10 ans. Et que 10 ans et un jour plus tard, ils ferment le serveur. Là, ils sont dans la légalité, parce que j'ai accepté... Ils sont dans la légalité. Ils sont dans la légalité. Ils sont dans, alors après, euh, à voir si le droit. Dit que ce contrat est. Et après, cadre. il y a Donc la, ça, la conservation qui prend éventuellement le recours. Voilà. Euh, mais mais en, tout cas, de... cas. Voilà. en tout cas, de, de gré à gré, de, 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 consommate... c de B2C, de business à, à consommateur, j'ai signé pour 10 ans, au bout de 10 ans et un jour, c'est fini. Je le savais, je l'ai signé. C'était mal écrit, peu importe, c'est à moi de lire le contrat. Deuxième cas de figure, ils disent que ça dure 10 ans et au bout de 9 ans, ils ferment le serveur. Là, c'est illégal. Parce ouais. qu'ils m'ont dit que je pouvais y jouer pendant 10 ans et, et me garder... Moi, j'ai payé pour 10 ans et en fait, je, je n'ai que pour 9 ans. Donc, c'est illégal. Ça. Oui ou non, Nicolas ouais, ouais. Je te pose la question et, hein, et... à chaque, et, ouais, non, mais à chaque ça, fois. C'est illégal. Et, 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 euh, ce que dit et quand il n'y a pas de durée C'est que... ben, illégal. C'est illégal. Il illégal. Okay. Ben, en fait, tu sais, même quand tu crées une société, il y a une durée. Ta société est créée. Bien par sûr. Fond. En général, c'est à quatre ans, un truc comme ça. Donc euh, euh. là, ce que dit Techlo, le CGU, parle de licence d'utilisation révocable. C'est abusif. Mais attends, il y a un truc. Regarde le commentaire de Greg. Euh, dans la vie, la légalité, c'est pas la vérité. On passe toujours de la musique en soirée, on regarde des blancs entre amis, etc. Le nombre de fois tu vas dans des petites boutiques, tu entends la musique, tu entends la télé et tout, officiellement, c'est illégal. Ça, c'est la bah, tu rigoles. Ah, euh... non, 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 on paye, mon gars. gars <laughs> euh, non, mais... non, non, non. Toi, tu payes. Quand tu payes. 90% des gens qui ont des boutiques que je connais, ils payent pas. Hein. Ah est ouais, c'est bah, euh... que ça ne s'est pas passé, mon gars. Là, parce qu'ils passent. Hein. Parce que s'ils passent, ils passent. Tu vas voir bah, si bah, ça, si ça. dépend tu... vois, pas tout le temps. Moi, t'inquiète que chez moi, ils passent. Mais voilà mais on passe tous les amis ah, qu'en soirée. Alors, c'est sûr qu'ils ne passent bah, pas dans les soirées bah privées, etc. Mais effectivement, la loi, c'est ça. Maintenant, ce qui ce qui m'intéresse, c'est que il y a pas de durée légale, c'est juste révocable. C'est intéressant ça. Mais révocable, c'est illégal. Enfin, je veux dire, c'est abusif. abusif. C'est pas illégal, c'est abusif. C'est abusif. Et c'est ça qui va être compliqué dans dans les si les si les actions aboutissent que si c'est en fait, c'est à dire, c'est juger de la légalité ou non. Oui, bien sûr. Mais est-ce que le fait de révoquer une licence d'utilisation, c'est légal Est-ce que dans d'autres secteurs euh, de, de, par exemple, de l'art pour le cinéma, est-ce qu'on a le droit de te, re, de te, re, de te, re, de te... révoquer une licence d'utilisation Parce qu'il y a peut-être des précédents dans d'autres. Ouais, mais le... comme dit Joe, il est parti. Il est le... parti, mais je pense qu'il revient. Là, en fait. le... le jeu vidéo n'est pas considéré. C'est moi qui retour. je disais, Joe, comme tu l'avais dit tout à l'heure, le jeu vidéo n'est pas considéré comme la musique, le cinéma ou, ou les autres produits Non, culturels, à, plein, à plein de niveaux. à plein de non, niveau. Niveau. Ah oui, 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 absolument pas. Ouais. Donc, il n'y aura jamais les Mais mêmes droits dans le jeu vidéo que dans les autres arts ah, en l'état actuel des de choses. Chose. Dis pas jamais. En l'état actuel des choses. En l'état actuel des choses. Pourquoi, pourquoi je dis ne dis pas jamais C'est qu'avec l'évolution des générations. Oui. Tu sais, moi, quand, quand j'ai fait Giraffe, il y a beaucoup de choses qu'on disait euh, qui ne sont plus applicables aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'évolution des générations, les. Euh, c'était il y a 20 ans, hein, si tu regardes bien. Il hein. euh, y a 20 ans. Euh, euh, ben, ceux qui étaient, il euh, y en a qui sont au gouvernement maintenant, de, ou quasiment, tu vois ce que je veux dire. Donc, qui oui, sont, bien sûr. sont députés, euh, donc, euh, et qui jouaient aux jeux vidéo, ou qui jouent aux jeux vidéo, tu vois ce que je veux dire. Donc, avec l'évolution des générations, euh, en fait, on va dans la tendance de, des joueurs de jeux vidéo, plus que dans, la, dans le reste. Donc, euh, toute cette notion, en fait, culturelle au niveau du jeu vidéo, de toute façon, à un moment donné, va devenir une réalité. Et va s'appliquer à tous les niveaux. C'est pour ça que je dis, ce débat qu'on a aujourd'hui, si on ne l'a pas aujourd'hui, de toute façon, il va péter dans quelques années, et pas forcément euh, dans la, la, pour l'avantage des éditeurs. Alors, Donc, Nicolas, bien que, euh, que ce truc-là s'équilibre à un moment donné. Nicolas, je me permets, alors vraiment, euh, je ne rentre pas, ne me tapez tape pas dessus, je ne rentre pas dans la politique. Non, non, mais, mais, euh, mais je ne fais pas de la mais, politique. Euh... Mais euh, en fait, depuis le tournant de la rigueur initié par Mitterrand, on n'a plus jamais parlé d'accès à la culture, en fait. Donc, euh, effectivement, on va parler de jeux oh, vidéo. Ça, c'est pas vrai. Mais, bon, mais, mais les choses dont on va parler euh, au niveau du jeu vidéo, par exemple, il y a Denis Masseglia qui est le député euh, li, qui, qui, ouais, qui est consulté est pour plus. toutes les questions euh, de, de jeux vidéo. Bon ben voilà, ça va parler des plus gros youtubeurs, des plus grosses structures e-sport, des... mais alors la, la, la question, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait vrai, pour plein de raisons. Premièrement, la question ne de... vient pas souvent. Moi, je la vois jamais venir la question, et pourtant Dieu sait que je suis très 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 actif là-dessus, et la question, la question vient jamais. Question vient jamais. Mais elle va venir, elle va venir parce que de toute façon euh, les, les politiques, les politiques, ils parlent à ceux qui peuvent les élire. Et euh, avec le décalage des générations il y a de plus en plus de joueurs le, le jeu vidéo malgré tout c'est le, le plus gros média enfin le plus gros euh, euh, produit culturel même si c'est pas c est, c est pas, pas reconnu dans la loi euh, encore culturelle voilà la plus grosse industrie culturelle. Donc ce que je veux dire, c'est que le décalage des générations, cette compréhension. Tu sais, moi je la vois la différence. Hein. Je parlais de girafe. Je ne sais pas si tout le monde. Enfin, je pense que personne ne sait ce que c'est girafe, mais euh, girafe. Moi, je suis allé voir les sociétés d'auteurs. Je suis allé voir un, un nombre de personnes très important à l'époque, et je peux vous dire que la différence, je la ressens. La, la différence de l'accueil. On a fait nous des livres blancs pour expliquer aux politiques avec qui on parlait à l'époque. Pour leur expliquer ce qu'était le jeu vidéo parce qu'ils avaient une image complètement biaisée du jeu vidéo. Les politiques qui sont aujourd'hui au pouvoir, ils savent ce que c'est le jeu vidéo. Beaucoup plus que. Oui. Enfin, pas tous, pas tous, bien sûr. Si. C'est le, le truc le savent qui, beaucoup qui plus rend les que... enfants sans sein, et qui les rend fous. Ça, c'est de moins en moins. On en reparle dans un an avec la sortie de GTA. On va voir si ça a changé. Oui, ça, bon, ça, c'est un autre débat. Donc euh, voilà. Va, euh, ce dont on vient de parler, euh, d'ailleurs, ça s'appelle. Un, alors moi, je, encore une fois, je suis pas juriste, j'ai juste étudié beaucoup. Ça fait à peu près six mois que je réfléchis à tous ces sujets-là hein, euh, et sur lequel j'ai eu quelques conseils par quelques juristes. Ce dont on vient de parler, ça, ça, ça a un nom latin hein, qui s'appelle usus abusus fructus. Oui, oui, oui. Et mar en a parlé aussi dans son trade. Donc euh... voilà. voilà, juste pour, euh, pour dire. Euh, alors l'autre l'autre aspect que je voulais dire après je après je peux vous laisser euh, débattre sur vos, sur sur avec d'autres personnes. Non euh, oh, si oui, Yannick. C'est enfin, si, intéressant c'est très intéressant. Euh, l'autre aspect c'est que la meilleure solution pour essayer d'avancer sur ces aspects là c'est d'arriver à avoir une loi au niveau européen. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup en fait euh, qu'il y ait pour l'instant. Euh, 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 Max Pixelman, en fait, avec qui on a commencé le truc, qui lui est belge et qui lui est en train de voir avec des députés européens. Mais cela veut dire quoi Cela veut dire que euh, là, on parle à combien de personnes 503 personnes. Euh, 503 personnes qui sont dans toute la France, à part Yannick, qui lui est en euh, France directement. Non, euh, totalement euh, oui, en enclavé. France. enclavé dans la France. Oui, mais bon, ce que je vais dire, c'est que en fait, vous avez moyen. Euh, même si effectivement vous ne connaissez pas euh, forcément ce que, quelle, est, quelle est la culture de la personne à qui vous allez envoyer un, un courrier, mais vous avez moyen d'envoyer un courrier à votre député en disant, il y a ça qui est en train de se passer. Non, non, mais franchement, c'est gratuit, ça ne coûte rien, et plus ouais, de oui. personnes vont le faire. Je vais essayer de faire une lettre type à un moment donné. Là, il faut que je, il faut que je trouve du temps. Je vais essayer de faire une lettre type. Vous, vous, vous pouvez savoir quel est votre député. Il y a un site web qui dit quel est votre député. Il y a l'adresse, il y a tout. Vous pouvez chacun de vous envoyer un courrier à votre député. S'il reçoit un, deux, trois, quatre courriers, suivant, suivant les endroits, parce que si vous êtes au milieu de la Corrèze, peut-être qu'il ne va en recevoir qu'un. Si vous êtes à Paris, le député va peut-être en recevoir 10 ou 20 ou 30. Et bien, à un moment donné, il va commencer à se poser des questions. Et plus on arrive à faire du bruit dans ce sens-là, plus on va commencer à être écouté et plus on va commencer à être entendu. Le but derrière, c'est d'arriver à accélérer un peu les choses et à arriver à faire une loi. Une loi qui n'en a peut-être pas besoin d'ailleurs, parce qu'en fait, les lois existent déjà. Au moins, appliquer les lois qui existent déjà. Vous voyez ce que je veux dire parce Bien là, sûr, bien droit, sûr. C'est des choses comme ça. Euh, et. et et, et, et l'idée aussi, c'est d'arriver à un moment donné à fédérer les autres pays européens, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui doit être fait au niveau européen. Pourquoi c'est important de le faire au niveau pa européen Parce que si on fait des choses au niveau européen, en gros, ça va avoir un, un, un impact mondial. On l'a vu avec euh, Apple, on l'a vu avec euh, euh, Apple à deux niveaux d'ailleurs, hein, parce que vous prenez le, le téléphone, euh, maintenant c'est un USB-C. Euh, vous prenez le store, maintenant, il, est, euh, il peut y avoir des stores alternatifs, euh, etc., etc. Donc, en fait, il y a deux façons de régler le problème. Il y a une première façon, c'est celle qui était donnée tout à l'heure, où ils avaient tout à fait raison. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vous n'achetez pas les jeux. Alors, je ne suis pas complètement d'accord, parce que c'est dommage, parce que ce qui est important, c'est quand même de jouer au jeu, c'est pour ça qu'ils sont faits, mais malgré tout... Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vous n'achetez pas le produit, c'est tout. Et ça fait ça, ça c'est au oui, niveau des Par éditeurs, exemple, le le... Le plus quand j'ai acheté, si je pas le acheté mais vous m'avez compris, quand j'ai acheté The Crew, j'étais pas au courant qu'un jour ils allaient fermer le jeu en fait. On oui, m'a oui, dit attention. Non le... ouais. non, mais dans le cas particulier de The Crew, c'est que. Non mais c'est The Crew, c'est GT Sport, ça va être el Divers de un jour. On ne me met pas au courant que les, que les serveurs vont fermer un jour. Je ne suis pas au courant. Et là encore, bah, encore, encore, on parle de jeux qui, qui, qui ferment longtemps après, parce que mettez-vous ouais. dans la peau de celui qui a payé 70 euros Babylon. Ah, c'est 2015, hein, Cruise. <laughs> il y a un an. <laughs> ouais. c'est combien 2015, le Cruz C'est pas si longtemps que ça. Hein. Non non non, c'est 2018. 2018, oui je crois. Non non non, non 2013-2014. Non, avant, ouais, 2014. C'est avant C'est 2013-2014. Ah oui, il y a eu deux, je me disais. Attends. Oh, oui sûr. Ah, y parce y parce y y il y en a eu trois en fait, en fait des deux. Coups. Euh c'est euh, mars 2022. De... Mm. Quoi Ah oui, non, date de fin, 2 de décembre 2014. De sortie. 2014, tu vois, 2015, j'étais pas si loin. Tu vois, ils l'ont gardé, ils ont gardé euh, un peu moins de 10 ans, du coup. Bien sûr, mais en fait, maintenant, on sait qu'il y a ce précédent, donc maintenant, on se méfie, maintenant, t'achètes ton Eldivers Divers 2, es là, tu dis, bon... Bah, oui, ça mais la grosse de... différence... La grosse différence, c'est qu'en en fait... Fond, on le la grosse différence c'est que, et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure avec, les, avec les, les mises à jour des One, hein, euh, c'est qu'avant on ne pouvait pas le faire, puisqu'il n'y avait que du physique. Oui, le commentaire, m'a fait rire. Oui, euh, ouais, mais, mais c'est même pas un nombre informatique. Là, 32 768, ça aurait été mieux tant qu'à faire. Bref, un détail. Bon, pas dé dérivation professionnelle. Ça... Dérivation professionnelle, ouais, c'est ça. Euh... Mais tu vois, 32 bits, a... je... c'est euh, euh, 16 bits signés, en fait. C'est pour ça. Ah, je, 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 vais que... je vais trigger tout le monde dans le chat, parce que du coup, j'ai un avis un peu différent des, des gens. Mais moi, j'ai acheté des skins sur Fortnite et sur League of Legends. Du coup. Ça commence bien. Bah, non, mais j'en ai acheté. Sur euh, Fortnite, j'ai acheté. Euh... Enfin, je l'ai eu via l'achat de, de Alan Weck. Oui, le non, mais de... continue, bah, tu continue, continue. Oui, jouer. Jouer. Et sur League of Legends, j'ai dépensé, je sais pas, moi, peut-être 500 balles au moins, 600 balles peut-être. Mais j'y joue depuis déjà 10 ans au jeu. Je sais qu'un jour ou l'autre, le jeu il va disparaître, je perdrai mes skins. Tu vois ben Pourtant, on me dit que tu les achètes tes skins. Tu vois, ben je, mets, je mets les cartes prépayées et puis tous les enfants Est-ce que, achètes... no... est que tu trouves ça normal en fait Mais moi, ça me dérange pas, en fait. Pour moi, c'est le contrat de base. Je joue un jeu, je, je rémunère les développeurs parce que j'aime le jeu. Je sais que dans 30 ans, je n'aurai plus mes skins. Je m'en fous, en fait, j'en profite à ouais, l'instant. Moi, bah, moi, pas... ah bah, moi, je ah n'ai pas ce raisonnement. Moi, par exemple, j'ai acheté un gain, énormément tu de skins. Je vais prendre en plus un exemple qui est, qui, qui est fou c'est que j'ai acheté tous les skins de Street Fighter 4 sur PS3. Quand il est sorti sur PS4, aucun des skins n'était compatible. Tu vois, donc, déjà, ça, c'est déjà ultra con de base euh, comme truc. En termes de préservation, c'est le même jeu, c'est la même plateforme et tout. Enfin, euh, c'est le même truc. Mais. Quand j'achète mes trucs, je les ai payés suffisamment cher, ils sont faits suffisamment de, de, de testicules en, en, en métal précieux euh, sur mon dos, pourquoi un jour je ne pourrais plus y jouer avec ces trucs-là Mais, mais, mais c'est aberrant Et le, non, le, le pire, c'est que tant que mon jeu est installé, mais si un jour je, ils disent bah, la PS3, c'est fini, je branche ma PS3, je mets mon jeu, donc déjà, j'ai pas les dernières mises à jour du jeu, donc ça, ça craint un peu. Euh, je ne peux pas accéder au dernier perso, au dernier stage, au dernier rééquilibrage. Et en plus, je ne peux pas accéder à mes costumes, que j'ai payé une blinde. Mais, mais ça, mais ça, mais... Mais ça c'est un truc. Il faut une législation autour de ça. Il faut une législation. Ce n'est pas possible. Au bout d'un moment, vous vous êtes enrichi sur un truc. Euh, Ce n'est pas normal, en fait. Ou alors, dans ces cas-là, vous laissez la possibilité aux gens de... de, de... Dans ces cas-là, il faut peut-être un store alternatif d'abord abandonware où tout les, où tout est dispo bah, tant qu'à faire bah, nous on le prend gratuitement gratuitement et on y et on joue sur un serveur sur des serveurs que la communauté le fait mais que ça soit un, obligatoire c'est à dire que on a le, le on a la possibilité toi thibault ben bah, euh, euh, qui c'est c'est riot Games qui fait League of Legends yes c'est ça, mmh. ça part. Riot, tu veux plus Tencent Rayo veut le plus s'en occuper c'est pas grave tu peux euh, jouer sur un serveur et récupérer tout, tout, tout ce que tu as pris du jeu le non joueur même, même, plus de... en fois, même encore plus je loin, loin tu, tu, tu parles tu de dis, Fortnite hein. j'irai même encore plus loin tu parles de Fortnite Fortnite on en est à combien de saisons là on en est à 4 5 saisons combien c'est quoi le à truc plus à mon avis oula, des saisons, malheureux il y, a une cha... il y a une saison toutes les semaines là, avec des nouveaux persos là non, vrai, non, vous non, vous non avez... je parle tu sais je parle du truc où il change tout là tu sais là où il y a le gros trou que où ils explosent tout puis recommencent tous les deux ans Ouais, mais ça en fait bon, il, y en a, il y en a plusieurs, c'est trois ou quatre déjà, je pense. Parce qu'en théorie, en théorie, la loi de la conservation ferait que chaque fois que tu changes de pas de... c'est pas une saison, je sais pas comment on appelle ça, mais quand... chaque fois que tu changes, en ouais, fait... Ouais, ou de... quand Chapitre il 5, On est chapitre 5. Oui, ouais, c'est ça, c'est ce qui me semblait 5. Euh, donc tu vois, on est au chapitre 5. En théorie, euh, c'est illégal. En théorie, il aurait fallu conserver le chapitre 1, 2, 3, 4. En théorie. Après, c'est pas applicable, mais en... bah, c'est compliqué. Oui, je peux bah l'entendre ce que tu dis, Nicolas. Bah, parce que, parce que au niveau, le, le, le physique, moi, quand je dis que je suis un défenseur du physique et que je suis pro-physique, c'est-à-dire que je suis pro-physique du jeu vanilla pour moi. Euh, c'est-à-dire que moi, une édition physique, par exemple, euh, on parlait de l'exemple. Oui, de l'exemple cyberpunk. Bon, cyberpunk, il, sort, euh, il est sorti de façon tout buggée, etc. Mais en fait, on a déjà eu des précédents dans le cinéma, et je parlais de Star Wars, mais on peut parler aussi de, de, de plein d'autres films, euh, surtout au début des années 2000, quand Lucas a décidé de refaire un petit peu tout son catalogue. Euh, pendant, pendant longtemps, la version de E.T. Euh, n'était plus la même, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de gros mots et les policiers n'avaient pas d'armes. À la place, ils avaient des toki-woki. Et il a fallu que ce soit Spielberg lui-même qui dise... Bon, euh, non, en fait, cette version, elle est, elle est nulle. <laughs> euh, à partir de maintenant, toutes les, toutes les versions euh, Blu-ray, 4K, Netflix, etc., ce sera la version cinéma, donc avec les armes et les gros mots. Parce euh, que c'était Spielberg, mais ça aurait été un petit réalisateur, on aurait dit, monsieur, c'est notre œuvre. on fait ce que enfin, vous avez C'est ça, vous ça. Et, 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 dans, et dans le jeu vidéo, quand on voit les mœurs qui évoluent, etc., euh, j'ai pas envie que du jour au lendemain, on me dise que mon Skyrim PS3, ben, ça peut pas arriver, heureusement, Skyrim PS3, mais du coup, le Skyrim PS4, ça peut arriver de dire bon, oui. bah maintenant, Skyrim PS4, les dragons, euh, on trouve que c'est un peu trop violent, maintenant, ce sera des chenilles. Tu vois ce que je veux dire euh, euh, et veux passer, hein. Cas d'école avec GTA, euh, la trilogie, il me semble qu'elle est aseptisée. La oui, trilogie oui, qui oui sorti, carrément, elle est ouais, sortie. Tout à fait. Ouais. Elle est aseptisée pour mieux coller, en fait, euh, euh, au politiquement correct d'aujourd'hui, pour pas. Surtout pour, pour éviter le politiquement ouais, mais... incorrect. Attends, attends, laisse-moi finir. Et je, je te laisse la parole. Et moi, je suis parfait, totalement contre ça. Vous savez que je suis quelqu'un de très respectueux et que. Euh, mais je trouve qu'en fait, d'avoir un témoignage de, de des mœurs de l'époque, euh, c'est aussi important. C'est comme si aujourd'hui, sur les plateformes de téléchargement. Tous les morceaux de hip-hop qui parlaient euh, négativement, alors c'était pas forcément de l'homophobie, mais qui utilisaient des insultes homophobes dans leurs chansons, ça se fait de moins en moins, mais c'était très courant à l'époque. Hein. Euh, Booba qui dit qu'il est anti euh, et les deux lettres, enfin euh, euh, c'était dans l'unatique. Si demain, bah, sur mes plateformes, alors je m'en fous, j'ai le vinyle et ça c'est increvable, mais on, on me dit ah non, bah, cette rime on l'a supprimée, on a mis un bip, ou c'est comme quand Skyrock, Skyrock diffusait des sons et mettait des. Euh, mmh. Le son boulbi » était des bips à toutes les, toutes les phrases. Euh, non, c'est pas bon en fait. Tu vois, genre, tu, je, veux, je veux pas qu'on ressemble des. pas ordres. la loi ça Oui, c'était la loi ça. Mais bon, c'est plus par rapport si demain Apple Music euh, et Deezer disent non, bah, finalement, les, ces rimes-là, on trouve qu'elles ont une, une consonance euh, homophobe, ce qui est, peut ce qui est sur, certains, sur certaines rimes effectivement le cas. Mais c'est une époque aussi. C'est une époque, ceux qui sont euh, oui. d'un certain âge. Euh, si vous disiez honnêtement, euh, dans 99%, si vous disiez à votre daron que vous étiez euh, d'une certaine orientation ah, sexuelle, tête, vous mais... Met... non, mais c'était pas une bave dans la tête, c'était euh, le... oui, oui, enfin, limite on te mettait la, la tête dans les chiottes et on t'envoyait en hôpital psychiatrique. C'est extrêmement malheureux, mais c'est aussi des époques et c'est important qu'on qu conserve en fait des contextes. Non, mais quitte à mettre un disclaimer, hein. voilà, moi, je 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 suis suis quitte à, mettre, disclaimer, un... Quitte à mettre un disclaimer. Attention, ce jeu comporte des, euh, des, 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 des propos qui peuvent aujourd'hui euh, heurter la sensibilité de certaines communautés. Euh, Blablabla, bla, bla. aujourd'hui, euh, on, on vous resserre cette œuvre dans, dans, dans son jus d'origine. Soyez juste euh, bien, bien au courant que euh, ce n'est pas forcément la vision des, 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 de l'entreprise qui la distribue aujourd'hui, c'est juste le fruit de son époque, en fait, tout simplement. Ben, oui. voilà. Et c'est euh, notamment... normal de garder l'histoire, on ne peut pas s'asseoir sur l'histoire. Exactement. Non. Sinon, on devient Poutine, quoi. Tu vois ce que je veux dire Poutine, il est en train d'essayer de transformer l'histoire à son récris. avantage. Et il réécrit toute la littérature de, 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 de certains pays à son avantage. Et, et, après, et après, moi, je ne suis pas non plus d'accord sur un autre aspect, c'est qu'on se fait bouffer par la culture américaine. La culture américaine, on le voit sur, sur YouTube, on le voit sur un peu partout, euh, nous force à euh, penser d'une certaine façon, euh, parce que si on le dit, euh, si on le fait autrement que cette façon-là, ben, on est banni de YouTube ou on est je ne sais pas quoi. Euh, la culture, ah, malgré tout, la notion de la culture française. Et à l'inverse, à l'inverse, il y a des lois françaises qui ne sont pas appliquées. Par exemple, les lois euh, sur la cigarette et l'alcool. Ne sont plus forcément appliquées dans les jeux vidéo, alors qu'elles ont été appliquées dans les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il y a des de jeux. Ben, en fait, il est, il, est, il est interdit, en théorie, de faire de la pub ou de représenter ouais. la cigarette ou l'alcool en France. Dans, dans les ans. jeux vidéo, ou dans les films, ou dans les machins. En enfin, je ne veux, ouais, veux pas que demain, mon Metal Gear 5, il ait plus de cigarettes euh, sur mes jeux Il y a des jeux qui sont sortis avec cette. Euh, euh, je te parle de l'égalité, attention, hein, je ne te parle pas de. Euh, après, je, euh, on pense qu'on veut de ça, mais malgré tout, il euh, y a des jeux qui ont été sortis, aseptisés de ces trucs-là. Oui. Et Alors pareil, en Allemagne, Allemagne c'est pire. pire. En Allemagne, c'est pire encore que ça. Parce qu'en Allemagne, en... Alors, je pense que ça a changé maintenant, mais en Allemagne, il faut savoir qu'il y a quelques années, un, un jeu 18 ⁇ ne pouvait se vendre que dans un sex shop. Tout à fait. Mais c'est pas plus mal en soi. Hein. Oui. Tu veux, pareil, Yannick, donner... tu, peux, tu parlais de, de, des produits de l'époque. Moi, qu'il y a, un, il y a un, un film où on t'entend des trucs homophobes ou euh, même racistes ou quoi. Si c'est le fruit de l'époque, que c'est un film qui date de 1930 et que c'est écrit noir sur blanc, c'est le produit de l'époque et que t'interdisent le film au moins de 18 ans parce que tu considères que quelqu'un de 15 ou 16 ans va pas avoir les mêmes grilles de lecture qu'un adulte qui va savoir que c'est plus ou moins un film euh, patrimoine et tout ça, bah, moi, ça me choque pas. Et comme ça, au moins, tu n'as pas le souci d'avoir influencé négativement des, des gens qui ont pas les clés euh, compétentes. Non, mais il faut, il, faut, il faut donner des clés de compréhension, bien entendu. Après, aujourd'hui, en plus, le, je trouve que 18, quand je vois la maturité des gens de 18 ans dans mon entourage, euh, des fois, ça, des fois, tu te dirais, est-ce que c'est pas mieux 16, est-ce que c'est pas mieux 20 tu vois, Bon, bon, après, ça, c'est un autre débat. Oui, oui, mais euh, tu vois, par exemple, je vois qu'ils ont enlevé la clope à Lucky Luke. Imaginez que demain, on nous ressorte X-Files et que l'homme à la cigarette, le councilman comme il l'appelait aux États-Unis, n'ait plus sa cigarette. Mais, mais, mais ça n'a aucun sens en fait. <laughs> mais si c est, c est, c est, non, mais c'est sûr que un reboot. Si en fait... ça reboot 2024, s'ils si ont non 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 non, 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 pas un reboot. Je te parle si, si par exemple, ils nous ressortent les épisodes et en fait, le mec à chaque plan de cigarette, il le reprend avec une glace. Il a la cigarette, ouais. ouais non, mais, mais là, ça. ça... En fait, là, tu peut du truc en plus. Aujourd'hui, j'ai pas, pas les chiffres de la consommation du tabac. Moi, je vois juste qu'à chaque fois que je vais, euh... ça a vraiment beaucoup baissé. Oui, ça a baissé, maintenant. Ah maintenant c'est les, ah oui. les, les, les trucs liquides et voire. Ah voir, ouais, voir, les vapoteuses et tout, j'en peux plus moi. Non, mais voir, les gens fument voir, quand même. Voire un hein. truc illégal. Oui, mais ils fument plus du, forcément du tabac. Ils fument des produits chimiques. La ah bah, et voilà. Bon, en tout cas, Alors, le fait c'est je... que les gens, les gens, euh, ça, on n'a pas réussi à, à détruire l'engouement pour la cigarette. Tu vois, moi je vais souvent au supermarché en Italie. Euh, ah si, non, Yannick qui fume la cigarette, il a une minorité ben... maintenant. Tu rigoles Ah non, Je ne je je moi, viens pas. Je, je... Vois... Je, je me déplace dans la rue. Il n'y a presque personne qui fume des cigarettes. Dans mes souvenirs, quand j'étais gosse, il y en a encore. Mais avait... mais Même mais... en café, en terrasse. En terrasse, il y a quelques mais fumeurs. Ouais. Et encore, c'est la minorité maintenant. Je pense qu'il y a moins de gens qui fument, mais que ça n'a pas éradiqué la cigarette et que les gens... Par contre, je vois de plus en plus de vapote. Et honnêtement, l'odeur du ecos, là, c'est pas possible, quoi. Ça, c'est pas possible. <laughs> après, embrasser dis... embrasser quelqu'un qui a fumé un ecos, je vous ai. C'est un vomitif, le truc. Hein. <laughs> euh, après, je vous dis... C'est un peu hors <laughs> sujet, mais, mais Yannick, je, <laughs> ah, vous dis... je vous dis. Juste ça. Ouais. Imagine la vape au en fait. <rire> 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 ça, je suis sortir fumé. un film avec ça. Ouais. Ah, c'est clair. Là. Yannick, c'est un tout petit peu hors sujet, mais je voudrais préciser vrai, un, bien, là. Je dé oui, préciser je un petit truc. Euh, moi, je suis d'accord avec l'idée de dire que, effectivement, si les jeux sont pour 18, ils sont pour 18, etc. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec la grille actuelle des 18. Ah, ben ça, c'est un autre sujet, effectivement. C'est hors sujet. Mais par exemple, moi, pour moi, Fortnite devrait être un jeu 18. La seule raison pourquoi ce n'est pas un jeu 18+, 18, c'est pas. Euh, parce que. Enfin, il, euh, c'est pas parce qu'il euh, il, il est violent, c'est parce que euh, il est dans le, pour le regard des parents, il n'est pas violent parce que ça ressemble à un dessin animé. En fait, on avait fait l'étude à l'époque de Giraffe aussi, hein, je reparle encore de Giraffe, mais on avait fait cette étude-là. C'est qu'en fait, tu te rends compte que euh, la violence, la notion de violence, quand tu joues à un jeu violent, tu ne ressens pas cette violence. C'est-à-dire qu'en fait, à la limite, quelqu'un qui est violent avant de jouer à un jeu violent devient beaucoup plus calme après avoir joué au jeu violent. Par contre, la personne qui regarde cette personne jouer à un jeu violent, elle voit cette violence. En fait, quand tu joues, tu ne la vois pas, la violence. Tu vois ce que je veux dire C'est la personne qui regarde l'écran, et la personne qui regarde l'écran à l'époque, au moins c'était les parents, qui juge que ce jeu est violent. Par contre, dans le cas de Fortnite, le jeu, effectivement, il ne ressemble pas à un jeu violent. Il n'est pas forcément plus violent qu'autre chose. Mais ce jeu-là, il inclut des choses qui sont des notions d'addiction et des notions d'argent et des notions de, de, frustration, euh, de consommation, de, de frustration. Un, et, et même à la limite sociale, hein, c'est-à-dire qu'en fait, ça devient jeu, même plus un jeu, c'est en réalité un réseau social, euh, qui, elle, devrait être interdite à des moins de 18 ans. Parce qu'il euh, y a... Enfin, pour moi ce n'est pas enfin c'est dangereux pour à la limite la... le futur de ces jeunes là euh, de comprendre enfin de de voir la vie dans un dans, un, dans une, une, une loupe déformante et, et ça ce n'est actuellement pas inclus dans les PEGI. mais c'est un autre débat mais malgré tout non, mais c'est euh... c'est super c'est super, super intéressant parce que euh, c'est super, super intéressant parce que mine de rien c'est vrai que euh, ces nouveaux modes de consommation et on le voit par exemple avec FIFA ou en fait, tout, moi, tous les jeunes de mon entourage, en fait, c'est normal de, tu vois, genre. Euh, oui, alors c'est illégal en France. De payer. Le, non, jouer, non, mais... le... non, non, non. De jouer de... aux jeux, de jouer aux jeux d'argent, parce que ce sont des jeux d'argent d'un certain côté. C'est pas, mais de jouer à des jeux d'argent, c'est illégal en France pour des personnes de moins de 18 ans. C'est pas considéré comme temps. tel encore. Oui, mais. C'est ça. ça. Ce qui est loin. Hein. Mais, mais euh, non, non, mais ce qui est très dangereux, ce qui est pour moi très dangereux, c'est que euh, pour eux, c'est aucun problème de. Euh, tiens, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Je veux, tu peux me filer 50 euros. Ok, qu'est-ce que tu vas faire avec Je vais acheter des skins pour Rainbow Six. Très bien. Tu vois, et, et... vois c'est vraiment le truc. Ouais, ouais. Euh... Et la seule raison ouais. pourquoi tu as besoin de skins pour Rainbow Six, parce que c'est du vœu briller en société virtuelle. Totalement. exactement ah. Exactement. Moi, je sais que je me bon rappelle, vrai. ils sont venus une fois chez moi, mes neveux. Et euh, j'avais looté un skin sais, de, de, de Frost. Je pense que c'est de, de ce perso. C'est un des premiers persos des, des... avec le fusil à pompe, c'est ça euh, ouais, exact, exact. Et euh, elle était, d'ailleurs, elle était cheatée dans les premières saisons. Et oui, après, je crois c'était un des le... premiers il... persos il... ouais, des. Ouais. Je me rappelle, mais il... à chaque fois, en fait, je les achetais pour qu'ils les essayer chez moi et après pouvoir euh, voir s'ils les achetaient ou non. Après, je il m'a demandé à là. tes frères et soeurs, ouais, tu peux nous payer le season pass, oncle Yannis. A... Mais... ouais, voilà. Mais en fait, après, c'est juste, est-ce que je peux, je peux, ach... ils achetaient des cartes PSN, en fait et tu vois ma sœur enfin euh, peu importe tu vois ma sœur elle, elle sait pas une carte PSN euh, ou un jeu c'est pas grave tu veux ton gamin il veut un truc il l'a mérité elle, euh, peu, peu importe, parce que ta sœur et... elle, elle pensait que c'était pas genre une carte à gratter au, au bar non et... non 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 elle avait compris que c'est pour acheter le truc sur les stores en ligne quoi parce que ça existe aussi pour l'Apple Store mais je me rappelle une fois donc j'avais un skin pour euh, Frost et ils étaient devenus fous. Ils m'ont dit mais c'est pas possible. Mais comment t'as fait à avoir ce skin et tout Ils ont ils ont tout de suite appelé leurs copains sur Snap et tout. Mon oncle il a ce skin et tout. Genre j'avais l'impression tu vois d'avoir euh, d'avoir un trésor chez moi. Je me dis bon comment je peux le revendre <rire> <rire> là, Ça a l'air vachement rare. Du démat et du Vachement des précieux. Des mat, du vachement précieux. Bon. Mais euh, non non c'est sûr as que. as ça ouais, sur, du... sur des jeux. Euh, je sais que dans League of Legends il y a ça. tu as des skins notamment ceux qui étaient là à la bêta euh, la bêta du jeu, mécaniquement, il n'y a pas beaucoup de monde. Ils avaient filé un skin et il y avait des comptes de League of Legends avec le skin, surtout aux États-Unis, parce que c'est un jeu américain à la base. Ils se revendaient, mais genre 15 000 dollars, le compte. Qu'importe oh oui. le classement, juste pour le fait d'avoir le skin, tu vois. Alors que le skin, c'est, comme a dit Nicolas, c'est Tu peux le trouver joli ou quoi, mais c'est surtout euh, tu, tu le portes pour toi et aussi pour montrer aux autres que tu as flex. Le skin. Voilà, non mais c'est Après, ça. moi, le, ouais, ouais, l'achat de skins, personnellement, dans Street Fighter, j'achète que ceux qui me plaisent, en fait. que Je, que je trouve que c'est esthétiquement joli. Il y en a mm -hmm. que je serais éclaté au sol dans Street 6. En fait, vu le prix de, de ceux de Street 6, euh, il y en a que j'achète pas parce qu'ils sont vraiment moches, en fait. Alors que si, euh, avant, elle, depuis toujours, il y avait, ils étaient vendus dans le store, il y avait toujours au bout d'un moment une promo où ils étaient fracassés et je les prenais à ce et... Yannick, euh, je, 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 je joue pas à Street, donc je ne connais pas à ce point-là. Mais il me semble que c'est pas suffisamment, enfin, c'est pas mis en avant comme ça l'est dans Fortnite ou League of Legends. Le business model de ces deux jeux, c'est quand même vendre des skins. Donc, tu vois, ils font tout Alors, pour t es, t es quand mettre même, vraiment en avant. Ils mettent quand même beaucoup en avant les, les Battle Pass, etc. Et en fait, ce qui est mis en avant, c'est euh, le fait que tu regardes, tu vas. Les gens qui sont encore sur le jeu après un an, c'est des gens qui sont complètement piqués par le jeu. Et ils, ouais. vont, euh, ils vont jouer en ligne, ils vont jouer contre un gars qui a le skin. Ils vont regarder les tournois, ils vont voir que Tokido, il a le skin. Euh, ils vont avoir envie d'acheter le skin, en fait. C'est bah pareil pour euh, Fortnite, ils font beaucoup de collabs avec des marques. Du coup, tu as bien les fans sûr, de The, The Witcher sûr. et Metal machin. Mais euh, je sais que League of Legends, il y a beaucoup avec la, la scène e-sport, tu vois. Et il y arrive, tu sais, avec, avec tout, toutes les communautés, tu as les structures e-sport qui, maintenant, commencent à avoir leur, leur skin. Et ce qu'ils ont fait, qui est très malin, Games, dans leur jeu, maintenant, ils ont dit, euh, par exemple, Valorant, on va faire des skins pour équipe, par les équipes, et il y a 50% des gains qui sont pour le club. Du coup, tu as aussi cette sensation de dire, je paye le skin euh, Vitality, uh, Gentlemate ou Cardinal Corps pour les Françaises, mais du coup, je vais faire, gagner de l'argent à l'équipe que je supporte, au club oui, que je supporte. Tu vois. Et donc, ça renforce ce côté-là, et ce côté où tu vois un mec euh, en face de toi, il a le skin euh, Gentlemate. Toi, t'es pour la Carmine Corp. Tu te c'est la petite réalité. Tu dis, j'ai envie de fracasser le mec en face, tu vois, genre. c'est mais... notion de clubisme. Bon, bon. Après, c est c est un un vrai vrai. après, c'est des business models. Et encore une fois, euh, moi, j'ai j'ai rien contre les jeux, tu vois, qui proposent des skins. Étant donné que Fortnite, tu peux très bien y jouer sans dépenser un euro, l'expérience de jeu sera la même. Donc, moi, ça, ouais. ça me plaît. Ah fait, non, mais j'ai rien. Peu. Moi, moi j'ai rien non plus. C'est juste tu vois, que c'est pas normal que ça soit pour du 12, quoi. C'est ça qui me gêne. Le gros problème, c'est que ça, ça a une telle ouais. importance. Alors, je pense que évidemment dans Street Fighter, il y a très peu de jeunes. Hein, je pense à un jeu qui s'adresse plus à, à des gens... Euh, voilà. Mais des jeux comme Fortnite ou FIFA. Euh, FIFA, je sais que les gamins, ils étaient sur, la, sur une... Il y avait une appli mobile de fut. Je n'étais même pas au courant. Ouais. Ils essayaient de, de ils, ils paquaient des trucs et tout, et parce qu'ils voulaient, euh, ouais, ils voulaient tel jeu, ils voulaient tel Vinicius, ils voulaient euh, Kylian, ils voulaient allant des compagnies. Et en fait, ça à chaque fois, c'est, c'est tirer de l'argent. On a vu combien d'histoires, euh, c'est de fait divers. Un enfant prend un euh, oui, 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 euros oui, à ouais. ses parents, euh, et en fait, parce qu'il a, parce qu'il le gamin, il a mis 10 000, Et même moi, mon chèque mon neveu. Quand il était jeune, le plus petit, je ne sais plus combien il avait, il avait dépensé avec la carte, il avait la carte bleue des parents et <laughs> il, est, il était allé all-in dessus. Et je crois que ma, ma sœur avait réussi à se faire rembourser <coughs> en, en expliquant que c'était une erreur d'un enfant. Et l'époque Sony était assez flexible là-dessus, mais euh, voilà. Euh, alors, après, d après, je un foucu, après, je suis un peu Après, je suis un peu focus d'un certain côté en disant ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre que tout ce que je fais là, c'est dangereux pour moi. Mais je, 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 c'est un problème de morale, moi, dans tout ça. Et dans le cas de, de Fortnite, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que Epic gagne beaucoup d'argent avec Fortnite, c'est bien pour les développeurs. Parce que malgré tout, Epic est un carré, ça finance Unreal. Mais ça ne finance pas que ça. C'est qu'il y a tout un tas de choses, en réalité, qui sont euh, faites pour les développeurs parce qu'il y a Fortnite, et parce que comme Fortnite est là, ben ça, ça fait qu'ils en mettent une partie de ce qu'ils gagnent en Fortnite pour les développeurs qui travaillent sur Unreal. Oui. Voulais... c'est un peu faux cul, mais bon. Vas-y, voilà. ma vas-y, je... Ouais, parce que je ne peux pas lever la main. <laughs> euh, ça, je, je, voulais, je voulais rebondir un peu sur ce que tu disais, Yannick. Euh... Bien sûr. Euh, et c'est un, un argument que je tenais vraiment à donner en faveur, pour moi, du physique. Euh, c'est... C'est qu'en fait, le démat a aussi profondément changé notre manière de consommer le jeu vidéo. Et Bien je sûr. pense qu'elle l'a changé pour le, pour le pire. Euh, dans le sens où, en fait, euh, quand, quand, on était, quand on était gamin, si on nous avait mis dans un magasin de jeux vidéo, quand je dis gamin à 14 ans même, hein, on nous aurait mis dans un magasin de jeux vidéo avec une console branchée en disant tu peux jouer à tout ce que tu veux. Tu peux être certain que quelqu'un revenait un mois après, on aurait commencé tous les jours, on n'en aurait pas fini un seul. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'effectivement, on aurait tout eu à porter. On aurait dit Ah là là, mais celui-là aussi, j'ai envie de le tester. Mais celui-là aussi. Minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. C'est comme la ça. première fois que tu, que, tu, que tu te mets aux émulateurs. Tu télécharges tout. Ah, euh, tu te fais un full set. Et tu as dit Ah ce jeu, oh, au bout de 5 minutes, c'est dur. J'en fais un autre, j'en fais un autre, j'en fais un autre. Et c'est terminé après. Et cool. le physique, quand même, tu vois là, par exemple, moi je me suis pris FF7 là en physique sur, sur PS4. Et ben tu vois, par rapport au Game Pass. Je, je ne le consomme pas de la même façon tu vois psychologiquement je me dis ah pff, quand même tu vois je l'ai là je vais quand même le je vais le faire maintenant que je l'ai là tu vois alors que c'est vrai que le Game Pass j'ai tendance à dire ouais c'est bon ça m'a saoulé qu'est-ce qu'il y a d'autre tu vois <laughs> Enfin, euh, euh, et... une, une question oui, que tu, tu as le même mode de consommation par exemple, pour les séries c'est à Netflix est-ce que tu vas regarder ah ouais 10 minutes c'est une question bah oui, 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 oui Netflix fait la même chose. Euh, regarde, il oui. y a eu une étude il n'y a pas longtemps là qui montre que les plus jeunes n'arrivent pas à rester deux heures au ciné, c'est trop long pour eux, tu vois. Oui, ah oui, Thibaut vu... m'a envoyé l'article hier, ça. Ouais. En... Enfin, mais, de... Ils n'arrivent pas à se concentrer même chez eux, ils sont obligés d'avoir, enfin honnêtement. Euh, mais les séries, ça, les séries, ils vont regarder 8 heures de séries, c'est 8 ça heures devient... avec le téléphone à côté, tu vois. Ça devient. Un problème, ah c'est ça. Ça. Euh... ça, ça aspire les âmes des gens, je pense, avec les réseaux ouais. sociaux et compagnie. Non mais vraiment, c'est. C'est... Euh, tu, 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 des fois, tu discutes avec quelqu'un, euh, les gens, ils sont là, ils t'écoutent même plus, ils sont sur leur tel. Et tu regardes, ah, ouais. ils sont en train de faire quoi De la merde, en fait. C'est pas, tu vois, moi, des fois, ça peut m'arriver, genre, euh, parce que je, je dois répondre à un truc pro, tu vois, un truc pro. Mais je suis pas là en train de... Tu vois, à mon téléphone, je le pose et je vais vraiment... Euh, si je réponds à des trucs, tu vois, ce soir, j'étais sur mon tel, c'était des trucs de famille, des trucs importants, tu vois, c'est pas... Euh, pas des, pas des futilités, mais euh, je sais que au cinéma, hier par exemple, je suis allé voir le dernier Ghostbusters, j'ai beaucoup kiffé donc euh, et tout le monde a kiffé, euh, juste, comme d'habitude, les critiques évidemment. Euh. Euh, enfin, surtout les critiques françaises, euh, enfin, bref, on va pas revenir là-dessus. Le <laughs> film est excellent, vraiment. Le, le film est cool, c'est feel good, c'est sympa, ça respecte l'ADN, mmh. c'est marrant. C est, c est... Moi j'ai kiffé de ouf. Mmh. Et, euh, mais il y avait plein de jeunes, au bout d'un moment, je leur ai dit arrêtez avec le téléphone. Vous, vous êtes dans mon champ de vision, je vois le téléphone s'allumer. Soit t'es au ciné, soit t'es dans le téléphone. Mmh. Pour moi, c'est de la logique même. T'es dans une salle qui. Ouais, mais il y a, si y a un connard qui veut se sortir son flash, bah dégage, genre t'as rien à faire là. En <laughs> fait. Franchement, franchement des, des fois, on fait des soirées de foot il y a toujours quelqu'un qui est sur son tel bout d'un moment, tu vois. Qui répond à un truc, parce qu'on est constamment sollicité. Ouais, ouais, par, par les réseaux sociaux, les sites de rencontres, les, les trucs, les machins, les Twitter et tout. On est constamment sollicité. Et ça, c'est un, pro un problème. Et c'est un, un, un problème. Et pour Netflix, euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, en fait, ils font tout, tu vois, pour même dans la production faire en sorte que les, les, qu'il y ait du cliffhanger, qu'il qu y ait de l'action, tu vois, que euh, qu'il y, y, a, y a beaucoup moins de place pour les séries qui prennent un peu le temps. C'est pour ça que moi, là actuellement, j'ai vu que deux épisodes de Fallout et je trouve que c'est remarquable. Mais vraiment, je trouve... Euh, ah, c'est top, hein, boulot, il est top, Fallout, le, hein. le boulot oui. incroyable, vraiment, euh, l'adaptation... Tu pas elle tout est... vu, Yannick, tu as vu que les deux premiers, c'est pas les meilleurs, hein. je te dis après. Non, mais, ça... non, mais, mais déjà, déjà, tu vois, mais bah, moi, je trouve que le premier... Ils, ils, ils prennent leur temps, c'est bien réalisé. En plus, dans, la, dans, le, dans le deuxième épisode, il y a un acteur que j'adore qui apparaît. Je m'attendais pas à le voir là. Je me suis dit, oh là là, euh, Benjamin Linus, <laughs> et il est là. Et du coup, euh, incroyable. Et, euh, et je trouve qu'il y a un respect de. Je suis pas un spécialiste de Fallout, mais il y a un respect de l'univers, même dans les costumes et tout. Enfin, c'est. Euh... Et il faut, faut dire que j'étais pas très loin de Todd War parce qu'il était à Cannes série. C'est un truc sur le. Avant le mais, de mais, sur les séries. Si tu veux parler des séries, ce qui est intéressant, c'est moi j'avais vu différents euh, interviews, reportages là-dessus. C'est que tu as pas mal de créatifs dans les séries télé qui ont dit que ils avaient des guidelines par les mecs qui financent, donc par euh, les plateformes, que ce soit euh, Netflix ou que ce soit MTF1, pour faire des séries en fait où les gens, faut que tu te dises que le, la target audience, c'est pas un mec qui est devant sa télé avec un superbe cinéma et qui est 100% réceptif à la série. Non, c'est quelqu'un qui va être en train de, de, de faire son café en train d'être sur son téléphone à scroller en même temps, mmh. en train d'envoyer de, de, des messages sur, sur WhatsApp à d'autres potes, machin. Et du coup, bah, dans leur processus créatif, ils font exprès. C'est pour ça qu'il y, y a des trucs qui sont très clichés, que tu as, as les héros Bien parfois sûr. qui savent ce qu'ils vont faire. Et, que... et c'est pour ça que ça a tué aussi une partie de, des séries. Tu dis c'est des séries de Golemon, en fait. Pourquoi ils nous répètent une fois la même chose Pourquoi est-ce qu'ils nous ont fait un gros zoom sur, euh, je ne sais pas un pied de biche à l'entrée de la salle On l'a vu deux fois en 10 minutes de dialogue, on sait qu'ils veulent l'utiliser, tu vois. Mais c'est parce qu'en fait, Ouais, ça, des, 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 des grandes ficelles, genre, et toujours toutes les, toutes les demi-heures à rappeler l'intrigue. Donc si je comprends bien, lui, il a fait… Fice... Et, et, et là, tu te dis, non mais sérieux les gars Ouais, mais c'est des demandes de la part des plateformes, parce qu'elles se rendent compte que le public cible, en fait, il est… Il consomme la plateforme, il ne veut pas être 100% concentré à ça. Et ça, c'est terrible, en fait. Non, ah mais attends, mais c'est terrible, tu vois, de, de, et, et, et je pense que ça va arriver sur le jeu. Je pense qu aussi le renouvellement qu on, dont on parlait sur le jeu vidéo, qu'on a du mal à renouveler, on voit qu a, que le renouvellement générationnel a du mal, que la majorité des jeux se vendent plutôt aux euh, 25, mais plutôt 30, 50 ans, et que les, ceux d'en dessous, les, les plus jeunes, euh, et peut-être que Jio pourra nous le confirmer, tu vois, qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de jeunes qui jouent à des à des triple A solo narratifs, moi aucun jeune ah, oui, de, oui. jeu de mon entourage aucun jeune de mon entourage s'il joue à la console la console elle est là pour faire réseau social parce que c'est pratique ou... non mais c'est prat... pratique pour pour parler avec leurs potes il mmh. y en a certains qui jouent à Fortnite il y en a certains qui jouent à Rainbow certains mmh. qui jouent à FIFA on joue qu'à des jeux en ligne pour, pour... c'est une expérience sociale c'est un truc social oui, mais euh, et tu ne peux pas les mettre devant un solo narratif parce que toutes les deux secondes ils vont être là avec le, leur téléphone en plus, pour aller sur des... Là, bon, j'ai l'impression d'être un réac de ouf. Mais pour aller sur, euh, sur ça, des TikTok... Non, il n'existe ouais, ouais. pas... Pour rigoler. Pour rigoler comme des bonnets sur un truc... Non, voilà. Pour, bah ouais, pour voir, bon. Tu vois, et moi, les propositions que j'ai sur certains réseaux sociaux que je n'utilise quasiment pas, c'est des trucs, tu vois, où, où des mecs ils pressent avec une, genre un, un truc en métal, ils pressent des, des objets pour voir comment ils vont se casser. Mais qu'est-ce que j'en ai à branler de ça, en fait Excusez-moi. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre non, mais tu sais que parfois ils qu est disent qu'il qu y a. C'est bien, ça fait, physique, Synchro, ça fait la et... physique. Je te dis, s'il y a le pack PS5 Pro avec GTA 6, et du coup, juste après, ils vont voir Jio, ils disent Bonjour, je voudrais le pack PS5 Pro avec GTA 6, s'il vous plaît. Ah. Je l'ai vu, là, ils viennent sortir. Je l'ai vu, là, sur Internet. Ils en parlent. Non, mais y a... attends, il y, a... y a même d'autres choses, hein, et je pense que Jio peut nous en parler de ça. C'est qu'en fait, sur les trucs Fortnite, les gamins, ils sont tellement fous qu'il y a même des trucs gratuits que tu as en magasin. Des, des autocollants, des conneries, m'en parle que, pas, en, qui, qui peut, que tu peux donner, en fait c'est un truc à donner, et les mecs ils sont prêts à les acheter, parce que c'est du Fortnite ouais, ils sont prêts des... à te mettre leur pain ah dans la tronche, ouais surtout. Non, non, ouais, ça, 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 ça dépend, mais des fois ils sont prêts à les acheter, alors que bon, on arrive sur des trucs complètement débiles, quoi. Euh, ju non, non, juste mais... un autre aparté pendant que j'ai encore la parole, euh, ju juste pour dire, il y avait Max, il y a Max Pixelman dans le chat, juste pour dire. Donc c'est grâce à lui en fait qu'on en est là, en fait, avec de ce que j'ai fait moi de mon côté, juste ne je, vois... je le vois pas dans le chat. si si il m'a dit coucou tout à l'heure, Max Pixelman, Lolo. Ah ouais, ok. Donc, ouais, il faut que je remonte un petit peu plus haut. Mais salut Max, ouais, c'est un, un tout petit pour peu tes plus haut. initiatives. Euh, et qui et... est belge, et, et il faudrait trouver, si vous connaissez, c'est un appel, hein, si vous connaissez, parce qu'il y a 521 euh, personnes là, si vous connaissez d'autres youtubeurs dans d'autres pays européens. Euh, enfin youtubeur ou... ou euh... Ouais, youtubeur, ouais. et, et même éventuellement euh, député européen, des choses comme ça, euh, bah, il faut arriver à les, à les sensibiliser pour qu'il n'y ait pas que nous qui lançons ce truc, il faut que ça soit toute l'Europe. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Voilà. Euh, juste, on me demande si j'aime les vidéos Slow Mo Guys, uniquement les vidéos de coups de pied retournés, genre voilà, ça c'est mon côté, fan de films de Vandame des années 80. Mais c'est tout. Euh, bon, en tout cas, je pense qu'on a fait un bon panorama un petit peu de la, de la situation. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, selon les chiffres du sel du et de tous les organismes, chaque année, le physique recule et le dématérialisé euh, progresse. Euh, C'est logique. Oui. Euh, et ça, ça conduit à la... En plus, ça conduit bah, à la... Est-ce que les, bou les, les boutiques où tu travailles, Joe, elles, elles sont menacées de fermeture ou pas Genre, euh... je pense que ça. Je sur euh, alors sur les sept collègues que je connais qui ont une boutique, je dirais que deux sont en grand danger, deux autres euh, ça commence à chauffer, et les autres s'en sortent malheureux quand même. C'est malheureux quand même. Là pour vrai, le coup c'était bon réseau social de l'époque moi tu vois. On parle de Fortnite. Pour moi c'était les boutiques. Mon réseau social de l'époque. Ah oui oui. oui. Non et... mais oui c'est vrai. Euh, vrai. J'ose que. À quelle proportion Amazon et les prix sacrifiés en grande surface versus le démat ont tué un peu votre métier? 99% mmh. les prix sacrifiés en, de, euh, en grande surface. Okay. Le Dmat ouais. n'est pas un concurrent pour nous. C'est. Ouais. C'est autre couper. chose. C'est. Mais tu nous. Tu, tu, je, je le dis, je le répète. Demain, un député se réveille en se disant Tiens, je vais faire quelque chose d'intelligent, je vais. Faire un prix unique pour le jeu vidéo, je, toutes les boutiques que je connais en difficulté n'ont plus de difficulté. Ouais. Sauf que s'il fait ça, tu sais très bien que tu auras michel Édouard Leclerc sur BFM pour dire qu'il défend le pouvoir d'achat des Français et qu'ils veulent leur Call of Duty à 60 euros au lieu de 80. Quelle quel putain, quel, quel putain d'hypocrisie! Parce que c'est juste pour pouvoir attirer le français. Et, oui, et après, il va dire que c'est pour défendre le pouvoir d'achat des Français. Non, mais de toute façon. Euh... Enfin, ça, c'est. Euh, tu vois, toi, toi, tu vas voler une pomme, tu vas faire 10 ans de prison. Ces gens-là, ils volent constamment les, les producteurs et ils volent tout ce qu'ils peuvent. La crise, ils connaissent pas. Leurs profits augmentent et ils licencient sans raison. Euh, et ça, ça devrait mettre. Ça, ça devrait, moi, je te foutrais ça en prison, euh, illico presto. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et force aux agriculteurs, mais de tout mon cœur. Voilà, euh, voilà c'est. Euh, euh... C'est le message. Oh, je, sais pas pas si Bernard, oui. je sais pas si lui, il est, il est si à, à blâmer que ça par rapport à d'autres. Malgré tout, il a une certaine ah. éthique. Mais je suis d'accord avec toi. Oui, mais suppose, en général, peu importe oui, lui il ou, le, ou les patrons de grande surface. Ou les, la, la, la grande distribution euh, en France, ils ont un pouvoir qui est quasiment sous ils ont, oui, mesure oui. par rapport à leur hein. par, parenthèse, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire. C'était fin des années 2000. Euh, et en fait. Euh, je travaillais pour une grande multinationale de, de fruits, de légumes, euh, qui avait beaucoup de mal à s'implanter en France parce que les, les... Euh, mon chef considérait que euh, la grande distribution en France était une mafia. Et pourtant, on travaillait, tu vois, avec des pays. On tra... Moi, j'étais attribué. On on euh... Non, non, on était. Euh... Mais on était. Euh... Moi, je, je, je travaillais avec l'Afrique, le Maghreb et le, le Moyen-Orient. Donc dans l'autre, tu as des pays où, tu es sur le papier, tu vas te dire, ouais, c'est compliqué. Mais en fait, non, c'était simple, c'était réglo. Et quand tu voulais travailler en France, on nous imposait des trucs de fous furieux. Euh, enfin ah, le, le, nombre euh, de lois, le nombre de lois que tu as en France qui servaient C'était même un... pas les lois, c'était, tu vois, nous, les conditions que, les conditions que nous, que nous, que nous demandait les, 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 la grande distribution. Et en gros, tu en as quatre, tu as Leclerc, Carrefour, Auchan et je sais plus le quatrième... De... Ils sont regroupés et... par plateforme et... en plus maintenant. C'est tu sais, ça, va mieux. Oui, Horizon, machin. Et en fait, ils se regroupent ouais. entre eux pour t'assassiner en groupe euh, quand tu veux... Mais des... c'était déjà le cas en fait. C'est-à-dire ouais. que U, Casino, Carrefour, Auchan, Leclerc, en fait, ils nous proposaient tous les mêmes conditions. Et on trouvait ça bizarre en fait. Mais c'est des concurrents. En fait, ils nous, ils nous, à chaque fois, il y avait les mêmes conditions. Donc tu savais très bien qu'en fait... Ils dictaient eux-mêmes ce qu'ils voulaient euh, à leurs fournisseurs, en fait. Donc, je, je vous coupe, je dois partir pour un impératif euh, personnel. Là, qui... Ça marche, Gio, de toute façon, on va bientôt euh, quitter. Merci d'avoir été en présence. Merci, merci, merci beaucoup, désolé ciao, encore. Ciao, ciao, il n'y a pas ah. de souci. Euh... De toute façon, on va bientôt, euh, on va bientôt couper l'antenne, parce qu'il est tard et euh, j'ai dit que les émissions seraient un peu plus courtes maintenant. En tout cas, merci Nicolas pour ton intervention. Je voulais garder cette intervention... Euh, pour le, la fin de l'émission. Donc, on a fait un petit aussi. moment. Un petit moment. Euh, et, et voilà. Merci à Rémateur qui est passé. Donc, on n'a eu que deux auditeurs, mais c'était deux auditeurs de qualité. Merci à tous ceux qui étaient là ce soir. Vous êtes plus de 520. Donc, n'hésitez pas à mettre le pouce. C'est très important pour euh, soutenir mon travail. Oui, là, pareil, pareil. Mettez le pouce. Euh, Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Euh, on va essayer de vous faire le test de... Putain, on a oublié le test de Horizon sur PC, il faut qu'on le fasse. Ouais. Euh, il faut qu'on le fasse, le test d'horizon sur PC. Je vous retrouve fin de semaine pour l'hebdo JV, dimanche prochain normalement pour un nouveau débat, je verrai ce qu'on fait. Et voilà, donc euh... j'espère que ce live est intéressant, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, le but, ce n'était pas d'opposer le physique et le démat, c'était vraiment bon. de pouvoir euh, expliquer aux gens... Euh, les droits qu'ils avaient avec les uns, les autres, la praticité. De toute façon, il ne faut pas l'opposer. Il, sera... il y aura toujours les deux dans tous les cas. Évidemment. L'un ouais. ne va pas deux. disparaître. Et ceux qui prédisent la disparition du physique, euh, c'est les mêmes qui attendaient mmh. que le vinyle et que le CD disparaissent, et c qu ça. Ont les c qui, et qui ont des, des escarres au cul à force d'avoir attendu. Donc c'est la même chose. Il y aura toujours du physique. Il y aura toujours. Un juste il, sera, que... il sera différent. Il sera, il sera agrémenté de goodies, etc. Et je pense que c'est la bonne, mmh. bonne voie à suivre. Euh, mais il ne va pas disparaître. Le, le, le dématérialisé progresse. Et aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi les services d'abonnement, qui eux, c'est une problématique un peu différente, mais qui sont euh, un peu le paroxysme de tout ça. Euh, j bon, ça, vous, ça a l'air de vous avoir plu. Merci en tout cas à tous les gens présents dans le chat. Merci à Thibaut. Merci à Nicolas Perret. Je vous ai mis le, son site euh, plus haut. Je vous le remets ici. Tu peux me le dire de tête c'est euh, plérite.eu. Plérite euh, J'espère que je ne me suis pas trompé. C'est pas play, Playwright, mais à la française. Voilà, je <laughs> sais, merci à toi. Il est là, playwright.eu. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Voilà. Bonne nuit à tout le monde. N'hésitez pas vraiment à liker l'émission et n'hésitez pas à suivre Nicolas. Ouais, et, et, Nicolas. et ju ju juste pour dire un dernier petit truc, euh, si tu permets, euh, je t'ai pris la parole de toute façon. <laughs> Vas-y, continue là. <laughs> euh, non, en fait, les, les documents sont là pour être discutés. Je peux très bien faire des erreurs dans ce que j'ai écrit. Euh, ce n'est pas mes documents, c'est les documents de tout le monde. J'ai juste lancé une initiative. Après, derrière, il faut que ça, il faut que ça, ça, ça tourne. Et, et c'est pour ça que, que euh, euh, comment dire, euh, ce tu que as fait Concurrence que tu sera, pas aura... Je ne suis pas juriste. Et voilà. ce que fait Concurrence sera sûrement plus de valeur que moi au niveau pratique. Parce que je ne sais pas, bon, il a plus bien de de vision que de visibilité que moi euh, et euh, il y a aussi euh, un groupe Facebook en fait euh, qui est ce qui est sur le site si ça vous intéresse et là ça permet justement de débattre parce que le site euh, c'est compliqué quoi voilà. ça existe enfin, encore finalement. Facebook euh, je suis désolé mais c'est pratique quand même hein, des fois euh, je je voilà. sais bien. désolé d'avoir euh, mais... coupé Yannick c'était juste pour finir non non non, non non mais c'est intéressant je précise que on n'est pas moi je suis pas juriste je suis euh, je suis un joueur avant tout et je suis un créateur de contenu autour du jeu, j'ai voulu parler de ce sujet je m'excuse s'il y a eu des approximations on a essayé de, Mais justement je pense que de notre point de vue de joueur c'est intéressant parce que s'il y, y a des juristes qui nous disent qu'on a fait des erreurs, bah, qui nous le signifie parce que justement voilà, est ça prouve que c'est qu que, que est est compliqué ça. en fait à, à démêler en fait tous ces contrats ces licences etc, c'est démêlé euh, je vous renvoie vers le trait de démarre qui, qui explique les, certaines choses je vous, vous invite à suivre Conquerax pour, euh, pour le physique Nicolas, plein de gens, rémateurs, tout ça. Donc, n'hésitez pas à suivre toutes ces personnes, c'est souvent intéressant. Évidemment, on va continuer à suivre de très près ces problématiques avec nos équipes des share players et à vous en parler et à essayer de vous aiguiller au mieux dans vos droits et ce qui est possible de faire et de pas faire. Et voilà, donc on essaie vraiment de faire du bon travail. Merci à vous tous. On reste deux secondes en antenne, Nico et Thibaut. Merci à tous. Passez une très bonne nuit. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut chat